choc de la pandémie et ses conséquences sur le travail, les inégalités et la croissance nous invitent plus que jamais à repenser la place de l'économie dans la société de demain. La richesse viendra-t-elle de l'innovation? Comment accélérer la transition énergétique sans faire peser l'effort sur les plus précaires? Que permettra la fin des inégalités de genre au travail? Et comment protéger le pouvoir d'achat des ménages? Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder avec nos quatre invités, quatre jeunes économistes qui font avancer la recherche et le débat en économie. Face à eux, des étudiants et des jeunes professionnels de moins de 30 ans, venus avec leurs préoccupations et leurs questions. Et notre premier invité est le meilleur jeune économiste 2021, selon le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Bonjour Xavier Jaravel. Affrontement, c'est bien sûr avec bienveillance, affrontement des idées. On est ici, bien sûr, dans un terrain neutre et d'entente, de culture, d'idées et de partage, qui est la maison de la radio et de la musique. Alors peut-être pour générer un tout petit peu d'interactivité avec vous, puisque le premier binôme, Quentin l'a rappelé, il s'agira de la nuance d'un côté et de la radicalité de l'autre. Ici, là, si je vous pose la question à main levée, qui se sentirait plus proche, admettons, de la nuance pour essayer de faire avancer les choses que de la radicalité? Qui est plutôt du camp de la nuance? Levez la main. Très bien. Et radicalité? Très bien. Nous avons donc une salle partagée. Ça va être donc tout l'objectif de nos invités, d'arriver à faire pencher cette galerie saine d'un sens ou d'un autre. On vous reposera évidemment la question juste à l'issue de cette première séquence. Est-ce que vous êtes prêts? On est à la radio, il faut vous entendre. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est parti, on y va, 10h04, on a 20 minutes devant nous. Il est journaliste et essayiste, rédacteur en chef du Monde des Livres. En mars 2021, il a eu le courage d'écrire Le Courage de la Nuance aux éditions du Seuil. Je vous demande d'applaudir Jean Bierenbaum. Et pour discuter avec elle de la radicalité, j'ai le plaisir d'accueillir une directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche de Sciences Po, le fameux CEVIPOF. Elle a fait paraître il y a quelques semaines « Radical et fluide, les mobilisations contemporaines aux presses de Sciences Po ». Je vous demande d'accueillir Réjeanne Sénac. Bonjour.
Et on commence avec elle, justement, avec Réjeanne Sénac, avec une question. Pourquoi la radicalité a mauvaise presse ou aurait mauvaise presse aujourd'hui? Alors, je vais présenter deux arguments principaux. D'une part, on m'entend, ça va ou pas? Non, on m'entend pas. Non. Ça va mieux. Voilà. Donc, je vais présenter deux arguments principaux pour expliquer que vous avez voté en majorité pour la nuance, hein, et que la radicalité est souvent associée à l'extrémisme, à la radicalisation. Donc, le premier argument qui fait qu'il y a une connotation négative, voire une disqualification de la radicalité politique, c'est qu'il y a, au XXIe siècle, la quasi-réduction de la radicalité au danger de radicalisation par un autoritarisme religieux à travers des actions violentes, en particulier dans un contexte de terrorisme djihadiste. Donc, déjà une confusion sur ce qu'on entend par radicalité politique. Et deuxièmement, puisqu'on est aujourd'hui dans un festival sur « Et maintenant », ce qu'on voit, c'est que nous vivons aujourd'hui un moment qui est celui de la disqualification des actions et des positionnements qui se définissent ou qui sont définis comme radicaux, qui sont associés à un anti-républicanisme, à une mise en danger de la République, de sa cohésion, de son unité, à travers l'émergence d'intérêts de minorités, ce qui serait contradictoire avec le fait de porter l'intérêt général et un universalisme de surplomb, un universalisme abstrait. Je me permets juste, en reprenant d'ailleurs Barthes que cite Jean Birbaum dans son ouvrage, je crois que déjà poser l'alternative entre radicalité et nuance, c'est être comme un rat dans quelque chose qui est piégé, qui est piégeux. Juste pour le dire très brièvement, je crois que ce fantasme de remise en cause de la République par, en réalité, le fait de lire les principes républicains et leur mise en œuvre avec une exigence qui est d'avoir le courage, justement, de regarder les causes des inégalités que nous sommes globalement, consensuellement à dénoncer. Et donc de pas seulement voir les inégalités ou les violences comme l'expression d'individus un peu déviants ou de situations qui ne sont pas idéales, mais de le voir en lien avec les raisons de cette reproduction des inégalités. Et pour finir là-dessus, je crois que si nous voulons vraiment penser ce que dit l'émergence à la fois de nouveaux sujets politiques au sens d'acteurs et d'actrices, mais aussi de nouveaux thèmes, en particulier on le voit à travers la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences policières, la dénonciation de la destruction de la planète et des ressources à travers la dimension écocidaire. Si on veut regarder en face ce que disent la mise en visibilité, la levée de verrous sur ces réalités, ce n'est pas de l'anti-républicanisme, c'est le fait de se donner les moyens d'être à la hauteur des principes pour toutes et pour tous, en particulier de liberté et d'égalité. Et juste, c'est pas non plus antidémocratique au sens où on étoufferait la liberté d'expression à travers ces expressions de cancel culture, le wokisme, qui sont en réalité des manières de remettre le couvercle sur ce qui a été mis à jour en termes d'inégalité et de complexité de ce rapport à l'inégalité. Mais c'est au contraire au cœur de la démocratie. Je finirai juste par une citation de Lefort. La démocratie, c'est faire en sorte qu'il soit légitime de questionner le légitime et l'illégitime. Et porter une radicalité politique, c'est dire qu'il est légitime de questionner ce qui est légitime et ce qui est illégitime, sans être sorti du jeu sous couvert d'antirépublicanisme. Merci beaucoup, Réjeanne Sénac, pour cette première intervention. Alors, Jean-Vierne Baume, pour rebondir, comment faire du coup l'éloge de la nuance quand on est comme ça, face au mur ou dos au mur? Moi, je suis heureux que Réjeanne Sénac, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi que vous ayez cité Claude Lefort. Vous avez dit Lefort, comme si tout le monde connaissait Lefort. Bon, Claude Lefort, c'est un philosophe malheureusement qui est mort il y a quelques années et que peu de gens connaissent vraiment. Et justement, pour moi, il est un peu à l'articulation de tout ce que vous avez dit, de tout ce qui peut nous lier ou nous opposer. C'est que c'est quelqu'un qui, effectivement, a commencé dans l'espérance révolutionnaire, donc dans la plus grande radicalité. C'est quelqu'un qui voulait renverser le système capitaliste parce qu'il trouvait cette société haïssable. Qu'elle le mettait en colère, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, par ses injustices, par sa violence, etc. Et donc il avait créé ce livre, ce groupe qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, qui était aussi une revue. Mais Claude Lefort est aussi quelqu'un qui est devenu un penseur antitotalitaire, que beaucoup de gens aujourd'hui décrivent comme quelqu'un de droite, quelqu'un de réactionnaire,
chez des gens qui, parmi les militants de gauche ou d'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a voulu garder les yeux ouverts et qui n'a pas voulu occulter les crimes du stalinisme ni les dérives de son propre camp et des radicalités dont il s'était réclamé. Donc moi, c'est tout mon point. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Le Courage de la Nuance, mon idée n'était pas du tout d'éteindre les radicalités ou les colères politiques. Je pense que tous les combats que vous avez cités sont tout à fait dignes et justes et forts. Je pense simplement qu'il faut, comme vous l'avez dit, garder, vous avez dit regarder en face. Et pour moi, la nuance, vous me dites si je parle trop vite ou si c'est trop... Je vous en prie, c'est très bien. Mais pour moi, la nuance, c'est justement la question du regard. La nuance, tout de suite, on dit, voilà, 50 nuances de gris, des nuances de vert, des nuances de... C'est la question de la perception et du regard. Et donc, la nuance, c'est d'abord d'essayer de voir... Le courage de la nuance, c'est d'abord d'essayer de voir ce qu'on a sous les yeux. C'est pas si facile. Je sais pas si on y arrive les uns et les autres. C'est pas évident. Il faut un certain courage vis-à-vis de soi-même, d'abord. Il y a un écrivain, on cite beaucoup, on est sur France Culture, et puis on aime citer des auteurs. Il y a un écrivain chrétien qui s'appelle Charles Péguy, qui avait cette formule magnifique, qui disait « Il faut dire ce que l'on voit, il faut dire ce que l'on voit, mais il faut aussi, il faut surtout, ce qui est encore plus difficile, voir ce que l'on voit. Il faut voir ce que l'on voit. » Et ça, c'est très difficile. Pour moi, le courage de la nuance, c'est d'abord un exercice de lucidité, c'est d'abord un aveuglement surmonté, c'est-à-dire, oui, on peut être en colère, mais il faut aussi... être dans la clairvoyance. Oui, on peut être dans l'indignation, mais il faut aussi être dans la lucidité. Et donc, la chose toute simple, moi, tous les auteurs que je cite, c'est des gens qui n'étaient pas des grands méchants mous ou des gens tièdes, etc. Tout mon objet est de dire non, la nuance, ça n'est pas la tiédeur, ça n'est pas la mollesse. C'est au contraire ce qu'il y a de plus radical, quelque part, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus essentiel, de plus fondamental, c'est-à-dire la capacité à voir ce qu'on voit, à ne pas occulter le réel, à ne pas évacuer ce qui, dans ce qu'on voit, gêne notre grille de lecture et notre regard, et notre grille de lecture, donc idéologique. Et donc tous les mouvements que vous citez, ils ont à faire face. Aujourd'hui, vous avez dit, il faut regarder en face. Ils ont tous à faire face à une question qui, de génération en génération, et moi-même, mon tout premier livre était un livre qui s'appelait « Leur jeunesse et la nôtre, l'espérance révolutionnaire au fil des générations ». Donc c'était un livre entièrement consacré à des gens un peu comme ceux que vous citez et que vous avez étudiés. Mais l'idée est de dire, voilà, de génération en génération, on peut être radical, être très en colère, mais attention, une des grandes leçons du XXe siècle, c'est qu'il n'y a aucune cause, aucune espérance qui peut être authentiquement radicale, c'est-à-dire authentiquement fondamentale, essentielle et tendre vraiment vers l'émancipation, si elle implique d'occulter le réel, de réduire l'adversaire à un ennemi et de considérer que l'ennemi ne peut jamais avoir raison en quoi que ce soit. Voilà. Alors, donc la radicalité, finalement, j'arrête pas de le répéter, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, où l'aveuglement est énorme, où la mauvaise foi répond à la mauvaise foi, où la haine répond à la haine, eh bien, dans ce brouhaha des intolérances, dans ce vacarme des évidences, il n'y a rien de plus radical que la nuance. Alors, Réjeanne Sénèque, peut-être une réaction sur le premier point de l'intervention de Jean Birnbaum. Est-ce qu'on serait moins lucide lorsqu'on est radical ? Alors, moi, pour expliquer d'où je parle, j'ai fait une enquête auprès de 130 responsables d'associations et activistes féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes et de lutte contre la pauvreté. Donc ça permet de voir justement aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'ils entendent comme dans leur engagement, hein, en quoi ils portent justement une lucidité. Et si j'ai appelé cet ouvrage « Radical et fluide », c'est justement parce qu'ils s'opposent à une vision qui serait une vision fermée, dogmatique, et qu'en effet, et je ne l'avais pas mesuré avant d'aller sur ce terrain, ils sont comme vous, Jean Birnbaum, très vigilants à ne pas fonctionner par briques, comme le dirait Roland Barthes, mais vraiment à regarder la réalité dans sa complexité, et à pouvoir avoir en particulier des choix de tactique ou des choix d'action qui ne soient pas d'un seul bloc, mais vraiment de voir en fonction des situations, de pouvoir faire soit du plaidoyer, voilà. Sur la lucidité. Juste une question, pourquoi vous accolez le terme de fluidité à celui de radicalité ? Comment vous joignez ces deux termes ? Alors, parce que pour la radicalité, c'est vraiment l'idée que les personnes que j'ai interviewées sont dans une logique où pour eux, il est hypocrite, il est à la fois hypocrite et inefficace d'aborder les inégalités sans regarder et travailler sur leur cause. Donc là, on est vraiment dans une perception de la radicalité comme le fait de nécessité de comprendre les causes pour pouvoir agir efficacement. Notre passé et notre présent nous montrant que sinon, les réformes ne permettent pas de dépasser ces inégalités. La dimension fluidité, c'est qu'il s'oppose à une vision dogmatique ou idéologique fermée dans la manière dont on va répondre à ce diagnostic.
Et qu'ils sont vraiment dans l'idée qu'il n'y a pas militantisme pur, justement, il n'y a pas des fermetures, mais vraiment le fait de s'adapter à la fois dans les sujets que l'on porte et dans leur imbrication en ce qui concerne le sexisme, le racisme, la dimension écocidaire. Donc une fluidité aussi en n'ayant pas des camps qui sont accolés, hein, féminisme, antiracisme, voilà. Fluidité dans le comment. Comme je le disais, à travers la diversité tactique, on n'est pas dans une stigmatisation du rapport au droit, par exemple, qu'on associerait à un État par définition ennemi. Hein, ils font du plaidoyer, ils font des recours en justice, comme l'affaire du siècle, mais ils vont faire aussi de la désobéissance civile dans une prise de conscience de la nécessité de faire advenir des sujets qui n'adviendraient pas autrement par les interstices. Voilà. Donc, et juste pour reprendre cette idée de lucidité, ça m'est beaucoup dit. Je citerai par exemple la présidente de la Maison des femmes de Montreuil, Roselyne Rollier, qui me dit être radicale, c'est à la fois travailler de manière désectorisée et de manière politique, mais c'est avant tout pouvoir aborder tout, même ceux qui fâchent. Donc il y a cette idée qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce qui est audible et ce qui ne l'est pas. Ou Nicolas Giraud, qui est président de la Confédération paysanne, par exemple, me dit « on est dans un moment qui ne peut pas être autrement qu'un moment de la radicalité, car il y a une exigence de faire face à ce qui, sinon, est la fin du monde. » Pas seulement la fin d'un certain monde, mais la fin du monde, en particulier avec le croisement « fin du mois, fin du monde ». Et moi, j'ai fait mes entretiens à la fois avant la pandémie et pendant la pandémie. On voit bien que là, le fait de réfléchir à pourquoi on est en train de vivre dans une société schizophrène où on se dit égalitaire et où on vit les inégalités, dans une société où on se dit écologiste et où on vit une pandémie qui nous montre que c'est notre rapport au monde, à la croissance sans limite qui nous amène au mur. Donc cette lucidité, elle est au cœur des engagements, mais c'est une lucidité qui n'est absolument pas une lucidité dogmatique. Au contraire, il y a une méfiance de tout ce qui est associé au dogmatisme, les corps intermédiaires, les idéologies fermées. Donc, moi, je crois qu'au contraire, on est dans une radicalité que j'aurais pu qualifier de nuancée. Je l'ai qualifiée de fluide. Alors, justement, vous avez prononcé un mot important qui est celui de la temporalité, du temps qui passe, du temps qui court, du temps qui nous dépasse. D'ailleurs, j'en profite pour dire que là aussi, nous dépassons dans cette petite séquence, donc il va falloir qu'on arrive à des réponses peut-être un tout petit peu plus courtes, mais par rapport à ce temps de la société qui va vite, qui va trop vite et qui est dans une certaine forme d'urgence, Jean Birotteau, a-t-on aujourd'hui, dans notre urgence, le temps de la nuance ? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que c'est le fameux en même temps. La nuance, c'est le en même temps. Malheureusement, le en même temps est devenu une sorte de slogan ou d'opportuniste ou de voiture balai de l'opportunisme politique. Mais c'est vrai que le en même temps, c'est important. Et d'un côté, je dirais que bien sûr, on pourrait dire que la nuance demande du temps, de la réflexion, etc. Mais on voit que beaucoup de gens qui ont tout le temps de réfléchir, tout le temps de lire, qui sont même parfois payés pour ça, sont tout sauf dans la nuance. Et inversement, on voit que des gens, parmi ceux, par exemple, que je cite dans le livre, ont été dans ce courage-là, c'est-à-dire le courage simplement de distinguer ce qu'ils avaient, de voir ce qu'ils avaient sous les yeux, comme je le disais tout à l'heure, voir juste ce qu'ils avaient sous les yeux, en tirer les conséquences, dans cette espèce d'insurrection du regard qui est aussi un aveuglement surmonté, des gens qui avaient très peu de temps. Si vous lisez, par exemple, j'associe sauvagement comme chez le psychanalyste, vous lisez le dernier livre de Jean Hatzfeld qui est magnifique sur les justes au Rwanda, les gens qui ont sauvé un Tutsi, une petite fille Tutsi, par un simple geste parfois, juste en disant « Tiens, allez plutôt par là, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui vous attendent avec une machette. » En fait, quand vous lisez Hatzfeld, vous voyez que les gens, ces gens-là, en fait, souvent, ils étaient dans une idéologie meurtrière, etc. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que sous leur regard, il y a une nuance, il y a une vibration, il y a une couleur différente qui s'est imposée. Et ils ont eu le courage d'autre chose. Ils ont eu le courage de refuser de voir le monde en noir et blanc. Et ils se sont spontanément, ils ont eu le courage de se mettre les fanatiques de toutes les couleurs à dos. Et donc je pense que, oui, bien sûr, la nuance, d'abord, spontanément, on l'associe au temps, à la réflexion, etc. Mais moi, en fait, j'y vois aussi une sorte de grâce, d'insurrection du regard qui n'est réservée à aucune élite, ni sociale, ni culturelle, c'est-à-dire pas du tout à ceux qui auraient, soi-disant, le temps. Je terminerai par là-dessus. Hannah Arendt, que je cite dans le livre, elle a quitté l'Allemagne, poursuivie par les nazis, etc. Elle a quitté l'Allemagne avec l'idée que s'il y avait bien des gens qui n'étaient pas nuancés, dont il fallait se méfier, et qui n'avaient pas le courage de la nuance, c'était les intellectuels. Donc, voilà. Et il y a d'autres gens beaucoup moins intellectuels et qui avaient beaucoup moins le temps de réfléchir,
qui avaient eu ce courage-là de remettre en question leurs propres idées. Et effectivement, dans les radicalités dont parle Réjeanne Sénac, on voit que c'est tout à fait imprévisible. Qui va rester dans sa petite brique idéologique, dans son petit, qui va rester collé à sa petite vision idéologique comme ça, comme une mouche à une vitre, et qui ne va au contraire bouger, être plus fluide. Ben c'est imprévisible et c'est pas toujours en rapport avec le temps donné, le temps disponible. Alors il nous reste 4 minutes, Réjeanne Sénac, une question. Est-ce qu'il existe pour vous un courage de la radicalité? Moi, je trouve que regarder les dysfonctionnements de nos sociétés, les trahisons, les dilemmes au cœur de nos principes républicains qui nous ont socialisés comme des mythes rassurants, de se dire que la France est le pays des droits de l'homme et pays de l'égalité, c'est très rassurant. C'est beaucoup plus bouleversant, difficile et dans la nuance de se dire que ces principes-là, ils ont été pensés pour les frères, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont exclu beaucoup d'entre nous. Et arriver à regarder ça en face et à se dire que être à la hauteur de ses promesses, c'est pouvoir justement, comme on me le dit sur le terrain, pas faire un grand soir dans un éclat violent, pas se mettre forcément autour d'une table pour avoir un programme commun, mais faire ensemble du faire en commun, des jardins partagés, pour pouvoir porter réellement une république de toutes et de tous et qui soit réellement démocratique au sens aussi de liberté. Moi, je trouve que c'est ça, c'est le courage fondamental que nous avons toutes et tous à partager. Donc je trouve que ce fantasme de la radicalité qu'on associe au dogmatisme et à la violence ne correspond absolument pas à ce qui est en jeu aujourd'hui. Donc je pense que soyons à la hauteur de ce qui est en jeu et ne soyons pas paralysés par nos peurs et nos fantasmes. Et écoutons-les, regardons-les, soyons dans la nuance au sens aussi dans l'échange, permettons l'échange et le débat. Et ce courage, c'est sans doute un courage complexe, dérangeant, mais c'est un courage vital. Je finirai juste par là. Tous ceux que j'ai interviewés m'ont dit, en fait, on n'a pas le choix si on veut à la fois être à la hauteur de nos principes et si on veut que demain soit un demain à la fois juste et vivable pour toutes et pour tous. Merci, Réjeanne Sénac, d'avoir mis un peu de nuance dans la définition même de la radicalité. Jean Birenbaum, ça serait à vous de clore justement cette séquence, puisque Réjeanne Sénac l'a donc ouverte. En quelques mots, je reprendrai le terme de Réjeanne Sénac, de jardin partagé. En quoi, justement, la nuance et la radicalité peuvent aussi pousser dans un jardin partagé? En gros, qu'est-ce qui peut concilier, justement, ces deux valeurs? Bah, je disais, c'est que simplement, je pense que, je disais, pour moi, il n'y a pas plus radical que la nuance, justement, au sens où Réjeanne Sénac l'a dit. Après, je ne suis pas complètement sûr qu'aujourd'hui, et c'est très difficile d'ailleurs, que les gens qui se réclament de radicalité que vous avez cité dans les combats politiques en question soient tous capables, parce que c'est très compliqué et qu'il faut un courage de tous les instants, de tous les jours, de remettre en question leur propre grille idéologique, de donner crédit à la parole de l'autre, de ne pas le réduire au rôle d'ennemi, etc. Et c'est d'autant plus difficile, et justement, c'est la question du temps que vous avez parlé de la fin du monde. C'est vrai que de génération en génération, moi j'avais bossé sur des militantes et des militants qui, de génération en génération, avaient l'espoir d'un autre monde possible. Un autre monde est possible, c'était le slogan de génération entière de militantes et de militants. Aujourd'hui, vous avez des militants qui tracent sur les murs d'université Nanterre en région parisienne. Il y a quelques années, ils avaient écrit « Une autre fin du monde est possible ». Une autre fin du monde est possible. Et je sais, et je pense, moi, qu'une certaine crise de la nuance, une certaine montée aux extrêmes, une certaine incapacité à faire droit à la nuance, vient sans doute aussi de la crise de l'espérance. La crise de la nuance, c'est aussi peut-être une crise de l'espérance, parce que comment être nuancé quand, justement, le temps semble manquer, là, pour le coup, sur l'avenir, et que tout ce à quoi on peut aspirer, ce n'est pas un autre monde, un monde meilleur, un monde de plus beau, plus juste et plus humain, mais juste de freiner le monde présent. Ça, je pense, enfin, de freiner la fin du monde présent. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu et que une des questions, une des difficultés de remettre en selle la nuance comme radicalité, au sein même des gens qui se réclament des radicalités politiques, bah, c'est cette espèce de course contre la montre, face à quelque chose qui n'est pas toujours hyper enthousiasmant. Pardon de terminer par ce truc un peu déprimant. Non, mais vous terminez avec la course contre la montre et voilà. On voit tout le jeu de la transition facile pour nous, car nous sommes également dans ce festival, dans une course contre la montre. Vous avez parlé d'espoir et d'espérance. Dernière question qui vous est adressée à vous, cher public. Qui a changé un peu d'opinion, a changé un peu d'avis par rapport à son idée initiale? Et ben voilà, une personne. Et quand on arrive à convaincre une personne, on arrive à convaincre presque tout un peuple. Merci beaucoup d'avoir levé la main et on enchaîne avec la séquence suivante. Merci à tous les deux.
Et on s'intéresse maintenant à deux autres termes qui structurent le débat public, France-Europe, France versus Europe. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler David Jez et Nathalie Loiseau. On peut applaudir, évidemment, on reste sur un rythme qui est le nôtre. Allez, je pose de nouveau ma petite question pour savoir qui se sent un peu plus proche de la valeur, on va dire, du modèle français, du modèle de la nation, et de l'autre côté, du modèle européen, utopique ou non. Alors, qui lève la main plutôt pour la France, pour le modèle français ? Voilà, qui n'a pas donc bonne presse. Donc, j'imagine que tout le monde est plutôt européen. Voilà, et entre deux, bien sûr, ce sont des gens qui sont soit dans l'indécision, soit tout simplement qui attendent de réserver leur réponse dans une vingtaine de minutes. Il est TCiste et enseignant à Sciences Po, auteur en 2019 du très remarqué Slow Démocratie. Il revient cette année avec le nouveau modèle français pour réenchanter notre douce France loin du déclinisme ambiant. Merci d'applaudir David Jez. Et face à lui pour parler d'Europe, elle est l'ancienne directrice de l'ENA, ancienne ministre chargée des Affaires européennes, présentement députée européenne, membre du groupe Renew Europe, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen. Je vous demande d'accueillir Nathalie Loiseau. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, David Jez. Pourquoi avez-vous choisi de réhabiliter dans votre ouvrage très récent l'idée de nation ? Alors, c'est pas un choix, c'est un constat. C'est-à-dire, on a pensé, à partir des années 80, que la mondialisation, l'accélération des flux de marchandises, d'informations, etc., allait désintégrer les États-nations au profit d'une gouvernance globale. Et ce dont on se rend compte à la fin du jour, c'est-à-dire 30 ou 40 ans après l'accélération de ce processus, c'est que les nations, loin d'avoir été destituées, sont au contraire remises en majesté, que ce soit sous la forme pathologique du national-populisme, qui est une espèce de désir d'autoprotection face à des flux et à des phénomènes qu'on ne maîtrise pas ou qu'on croit ne pas maîtriser, ou sous une forme, et c'était le sens de mon plaidoyer, beaucoup plus démocratique, parce que il est bon de le rappeler, l'État-nation reste quand même l'échelon indispensable et incontournable de la vitalité démocratique, de la solidarité sociale et de cette autoprotection face effectivement à une mondialisation économique qui peut inquiéter. Mais je précise tout de suite que pour moi, il ne s'agit pas de la mettre en opposition avec l'Europe. Je crois que ce qu'il faut arriver à construire, c'est une nation forte dans une Europe forte, parce que l'Europe, ça n'a jamais été autre chose qu'une agrégation de villes, de nations, de cultures, dans une très saine émulation, dans une très saine translation permanente, et c'est cet esprit européen-là qu'il faut faire vivre. Pour tenter quand même de créer un peu de débat, Nathalie Loiseau, est-ce que vous pensez que l'Europe est le mauvais échelon, en tout cas le moins qui semble moins pertinent que la nation, pour tenter de protéger ses habitants et ses peuples ? Je crois profondément que l'Europe, c'est un échelon à la fois de puissance et de solidarité. On vient de le voir de manière très flagrante dans cette crise du Covid dont nous ne sommes pas encore sortis. Si nous avons réussi à sauver nos économies, c'est parce que nous avons pensé solidarité, solidarité entre Européens. Si nous avons permis de vacciner le plus possible de citoyens européens, c'est parce qu'à tout moment, nous nous sommes dit « personne ne s'en sortira si tous nous en sortons pas, ensemble ». Puissant et solidaire. Puissant, c'est un mot que l'Europe a manié avec beaucoup de prudence, voire de réticence pendant longtemps. Simplement, on voit aujourd'hui que l'Europe, c'est l'herbivore dans le monde des carnivores. On voit que des régimes autoritaires s'en prennent non seulement à l'Europe, mais s'en prennent aux démocraties. Et le meilleur moyen de protéger nos modèles démocratiques, notamment nationaux, parce que comme David, je n'oppose pas la nation et l'Europe, c'est de les agréger ensemble face à la Chine, face à la Russie, face à des acteurs non étatiques qui sapent les bases de la démocratie. Ensemble, au niveau européen, on est plus fort. Regardez ce qui se passe dans le chantage effroyable que Alexandre Loukachenko livre à l'Europe en utilisant des personnes, en utilisant des vies humaines par cynisme pour essayer simplement en tant que dictateur de se maintenir au pouvoir. C'est rien d'autre. La Pologne toute seule n'y serait pas arrivée. La Lituanie encore moins. L'Europe, quand elle se réunit, protège des valeurs, protège un modèle qui est un modèle que nous avons en commun. Nous avons des histoires nationales. Elles sont là, elles existent.
mais nous avons un modèle européen qui est extraordinairement spécifique. C'est le seul qui porte au même niveau d'intérêt la liberté individuelle, l'esprit d'entreprise et la justice sociale. Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde ces trois valeurs-là portées au même niveau, avec énormément d'imperfections. Je ne suis pas en train de dire « c'est bon, on s'arrête, on est content, on est dans l'autosatisfaction ». Mais c'est ce qui nous meut tous les jours et c'est ce qui nous réunit. C'est une forme de souveraineté augmentée, pas contre les nations, sûrement pas, avec les nations. Mais les nations seules ne peuvent pas tout faire. Et le contre-exemple absolu, ça a été le début de la crise du Covid, quand les États tout seuls sont partis en ordre dispersé, chacun pour soi, et ça a été une catastrophe. C'est au moment où ils se sont rassemblés qu'ils ont commencé à se mettre vraiment au service de leurs concitoyens. Alors vous avez prononcé justement le terme de souveraineté augmentée, qui est intéressant. David Jaïs, vous aussi, vous essayez d'augmenter à votre façon finalement le récit français qui est un peu tombé dans une forme de torpeur et de mélancolie. Comment vous augmentez à votre manière le récit français ? Déjà, il faut essayer de comprendre les racines de ce que Marcel Gauchet a fort justement appelé le malheur français. Et je crois que ça tient à un écart très particulier entre une vie individuelle qui est plutôt satisfaisante. Quand on regarde les baromètres européens, on voit que les Français ne sont pas dans des abysses de malheur. Il y a de la précarité, il y a 8 millions de pauvres. C'est vrai qu'il y a une situation qui est difficile pour beaucoup de concitoyens. Mais la France, quand on interroge les gens sur leur qualité de vie, elle est dans une honnête moyenne. En revanche, quand on les interroge sur les perspectives collectives, sur l'avenir du pays, les gens sont extrêmement pessimistes. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait un tel écart, alors que en Allemagne ou au Royaume-Uni, on est sur des niveaux qui sont à peu près voisins pour l'individuel et le collectif. Et je pense que ça tient au fait que la France, peut-être plus qu'aucun autre pays, le lien social est surdéterminé par le politique. On a fait 1789, donc on a envoyé valser la société d'ordre, on s'est auto-institué politiquement, et donc notre lien social, il est immédiatement politique. Et nous traversons en France, depuis 20 ou 30 ans, une crise politique, une crise démocratique, une crise institutionnelle qui est très lourde et qui se matérialise notamment par cette espèce de défiance entre les représentants, enfin des représentés vis-à-vis des représentants. Et on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, qui est plus qu'un problème, qui est vraiment qui conditionne notre avenir, ce sera difficile de projeter à nouveau la France dans un récit véritablement positif, malgré toute la bonne volonté, l'optimisme et le volontarisme de ceux qui le promeuvent. Donc, je crois que le sujet aujourd'hui, c'est de sortir de cette très grave torpeur démocratique qui est la nôtre. Nathalie Loiseau, est-ce que l'Europe manque pas, elle aussi, d'un récit qui dépasserait le cadre économique, juridique et surtout d'un récit clair quant à elle-même et quant à son avenir ? Je crois qu'on est en train d'y entrer. Comme d'habitude, l'Europe a besoin des crises, ça a été dit 100 fois, et malheureusement c'est vrai, pour évoluer. C'est fini depuis longtemps une Europe qui ne serait qu'un marché commun, qu'un supermarché, comme ça avait été dit à une certaine époque. Il est en train de se construire peu à peu une sorte d'espace public européen de débat. Je le vois sur le sujet de l'état de droit, ce qu'on appelle de ce chapeau état de droit, qui recouvre l'indépendance de la justice, qui recouvre le pluralisme du journalisme, l'indépendance académique des universités, etc., etc., etc. Aujourd'hui, quand l'avortement devient quasiment interdit en Pologne, ça mobilise pas seulement à Varsovie ou à Cracovie, ça mobilise ailleurs en Europe. Aujourd'hui, quand on voit des dérives comme en Hongrie, alors ça mobilise notre extrême droite qui s'y rend et qui félicite ces leaders-là, qui trouvent donc important de se montrer à leur côté, et ça mobilise dans l'autre sens. Ça veut bien dire qu'il nous arrive quelque chose en commun, qu'on a envie de traiter en commun. Ensuite, si vous voulez me faire dire que la communication des institutions européennes est catastrophique, je vous le concède bien volontiers. Non, ça va au-delà même des institutions, c'est notre incapacité collective à créer un récit autour de l'Europe et un récit unitaire. Alors, est-ce qu'il faut créer un récit ou est-ce qu'au contraire, il faut accepter la diversité comme une richesse, accepter les nuances pour revenir au débat précédent ? Je ne suis pas sûre qu'il faille commander un récit.
Je pense simplement qu'il y a énormément d'attentes. Je le vis, moi, dans un sujet dont je m'occupe de près, qui est celui de la défense. À chaque fois que vous faites une réunion publique, à chaque fois que vous faites une consultation des citoyens, ils vous disent « on veut une défense européenne, on veut une armée européenne ». Alors bien sûr, la réponse, elle se fait pas d'un claquement de doigts. Et pour le coup, je plaide pour qu'on n'attende pas la crise, c'est-à-dire qu'on n'attende pas une guerre pour être prêt. Mais cette attente, elle est là. On voit bien que en Europe aujourd'hui, il n'y a pas les grands et les petits pays. Il y a, comme le dit un philosophe portugais, il y a les petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. Et on le voit aussi avec un contre-exemple aujourd'hui flagrant, celui du Brexit et du Royaume-Uni de Boris Johnson. Le Brexit, c'était fait pour reprendre le contrôle, pour être un Royaume-Uni mondial, Global Britain. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit un pays isolé, on voit un pays en difficulté, s'entendant mal avec la plupart de ses voisins, et qui, quelque part, est obligé de mendier de l'aide, tout en prenant un ton qui est celui, bon, des populistes. On voit un pays qui est en difficulté. Je le dis sans plaisir, mais je dis simplement, réfléchissons. Le but, évidemment, là encore, n'est pas de casser le récit national. Mais je pense aussi qu'en France, notre obsession décliniste, notre obsession qui consiste à décrire un passé toujours plus glorieux, y compris pour certains polémistes, à remonter aux années 800 pour se demander à quel moment la France était forte. Je vais faire un aveu honteux. Quand je suis au Parlement européen, je ne me demande pas tous les jours ce qu'aurait fait le général de Gaulle. Je me demande tous les jours ce que je peux faire pour les générations qui viennent. Parce que l'Europe travaille sur le moyen terme. On travaille sur les 30 ans à venir. Quand on travaille sur la transition écologique, quand on travaille sur la régulation des GAFA, on travaille pour les 30 années à venir. Imprégné de nos racines, je suis d'abord béarnaise, ensuite française, ensuite européenne, et tout ça en même temps, et femme. Le tout s'épaule. Et je suis convaincue que mieux que les politiques, mieux que les intellectuels, mieux que les médias, les Français eux-mêmes perçoivent tout ça et le vivent. Merci Nathalie Loiseau pour cette intervention. Vous avez cité justement le Brexit qui a été évidemment, il y a eu un avant et un après, mais c'est vraiment au cœur aussi de notre réflexion. David Jaïs, comment on arrive justement à défendre la nation, le modèle de la nation, sans tomber finalement sous une forme de repli? D'abord, il faut partir d'un paradoxe, c'est que plus le monde se mondialise, les capitaux circulent, les marchandises, la crise planétaire, la crise écologique est une crise mondiale, évidemment, d'emblée. La crise du Covid était une crise de l'interconnexion planétaire. La crise financière de 2008 était une crise de l'imbrication des bilans bancaires entre banques américaines, banques européennes, qui ensuite s'est propagée aux pays émergents. Donc on voit bien que tous les chocs dont nous sommes aujourd'hui, en quelque sorte, les victimes, sont des chocs planétaires. Et face à ces chocs planétaires, comme il n'y a pas d'État mondial, il y a une volonté parfaitement compréhensible de reprendre le contrôle. Et l'outil dont on dispose pour reprendre le contrôle, c'est l'État. Donc l'enjeu, philosophiquement, c'est d'arriver à discriminer entre une volonté pathologique qui consiste à dire « il faut qu'on se barricade, il faut qu'on redevienne le village d'Astérix, de toute façon, on ne peut y arriver qu'en étant fermé, recroquevillé sur nous-mêmes et même en faisant le tri ». Hein, comme le proposent certains polémistes en ce moment, entre ceux qui sont de bons Français et les autres, et une vision beaucoup plus positive de la souveraineté qui effectivement se partage, se négocie, s'exerce à plusieurs niveaux. Et je crois que cette idée d'autonomie stratégique européenne, elle est intéressante parce qu'elle permet de conjuguer la souveraineté nationale, qui reste incontournable pour un certain nombre de choses, avec des politiques publiques européennes qui nous permettent effectivement de peser dans le monde qui est le nôtre. On a un marché unique de 500 millions de consommateurs. Arrêtons de le voir simplement comme un tiroir-caisse. C'est aussi un levier de puissance, effectivement. Et donc l'enjeu, c'est de trouver cette bonne articulation. Longtemps, on a pensé que pour faire l'Europe, il fallait défaire la souveraineté nationale, qu'il fallait se couper une jambe pour faire pousser un bras, en quelque sorte. Pour moi, c'est absurde. Il faut arriver à penser les deux en même temps, et il faut arriver à trouver la bonne articulation. Et ça suppose de repenser aussi les institutions européennes qui, aujourd'hui, sont trop centrées sur la norme, sur la bureaucratie, sur le droit, pour les faire entrer dans une logique politique. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. Ensuite, au niveau national, moi, je suis persuadé qu'on va avoir besoin d'élever le niveau de cohésion nationale face aux défis qui sont les nôtres. Par exemple, la transition énergétique,
On n'y arrivera pas simplement en augmentant petit à petit la taxe carbone. Ça, c'est une illusion d'économiste qui nous explique que ça va modifier les comportements et que tout va bien se passer. Non, parce qu'on voit bien que ces choses-là, dans la vie réelle, ça se traduit par des prix de l'essence qui augmentent, par un pouvoir d'achat qui se dégrade, par des paramètres très concrets. Donc, la transition énergétique, c'est peut-être le plus grand défi des 10 ou des 15 prochaines années. Il va falloir investir à l'échelle mondiale 130 000 milliards de dollars dans le changement complet de système énergétique et dans la sobriété, je le précise, parce que les deux doivent s'additionner. Et pour ça, on va avoir besoin d'avoir des contrats sociaux beaucoup plus de cohésion dans le contrat social. Et donc, le niveau national va être absolument fondamental parce que ça reste quand même le niveau essentiel où on se raconte une histoire collective et où l'histoire s'écrit ensemble. Donc il faut qu'on arrive à penser ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'y est pas du tout. On est sur une approche qui est beaucoup trop gestionnaire et technocratique de ces questions. Nathalie Loiseau, David Jez vient de dire que l'État national était l'outil principal pour reprendre le contrôle. Est-ce que l'Europe n'a pas manqué à son rôle, justement, dans son incapacité à tenir les choses ensemble et à reprendre le contrôle sur le plan de la politique intérieure? Alors, l'Europe ne fait pas tout bien, et de très loin, vous m'entendriez, si vous étiez avec moi à Strasbourg ou à Bruxelles, râler à peu près tous les jours. Mais on parle changement climatique, on parle transition écologique, c'est évidemment un des enjeux majeurs auxquels nous devons répondre maintenant. C'est un enjeu qui ne sait pas ce que c'est qu'un État, qui ne sait pas ce que c'est qu'une frontière, qui sait à peine ce que c'est que l'Europe, mais quand même. Au moment où nous décidons de nous endetter en commun, d'investir en commun, nous le faisons notamment pour accélérer notre transition écologique. Nous le faisons tous avec des normes. Ce mot ne devrait pas systématiquement être critiqué. Le droit, ce sont nos droits. C'est l'application de nos droits. Et nous le faisons en emmenant avec nous, y compris les plus réticents et ceux qui parfois sont réticents pour de bonnes raisons. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Pologne? On la montre du doigt en lui disant « Ah vraiment, vous n'êtes pas très engagé sur la transition écologique, vous ne vous rendez pas compte ?» Ou on s'aperçoit que le modèle économique et social polonais jusqu'à présent a reposé sur le charbon, sur des dizaines de milliers de gens qui travaillent dans le secteur du charbon, et on leur dit « Au niveau européen, on va vous accompagner ». On va vous aider à vous reconvertir. Il y aura une solidarité européenne qui va faire que ça va marcher. Nous traitons tous les jours de sujets qui ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. Le changement climatique, les GAFA, aujourd'hui, les grandes plateformes se comportent comme des grands États et dans un univers qui, lui-même, est très peu normé, qui a besoin d'être régulé. Le terrorisme, on le sait très bien, il est interne, externe, les frontières n'existent pas. Les mouvements de population, est-ce qu'on va, comme Boris Johnson, dire « je suis une île, donc zéro migration » Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, certes, mais il n'a pas quitté la planète Terre. Les mouvements de population existent partout. Il faut y réfléchir ensemble, le décider ensemble, ce que nous faisons, comment nous accueillons, comment nous marquons des limites. De ce point de vue-là, l'Europe est défaillante. Mais elle est défaillante, pourquoi? Ce sont les nationalistes qui l'ont empêché de fonctionner depuis des années. Ça a été Salvini en Italie, c'est encore une partie de l'Est de l'Europe qui disait « Oh, nous ne sommes pas des pays de première entrée des migrants, donc ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas ». Ironie de l'histoire, aujourd'hui, l'endroit où des personnes veulent entrer en premier s'appelle la Pologne. J'espère, parce que je suis politique, donc optimiste, que ça va faire évoluer la réflexion. Est-ce que ça va assez vite? Non. Est-ce qu'il y a des effets waouh? Non. C'est vrai, parce que le système politique européen est complexe et surtout il est différent du système français. Et en cela, est-ce qu'il doit être critiqué? David le disait, il y a une crise démocratique en France. On peut et on doit améliorer ce qui se passe en Europe. On doit aussi se demander ce qui marche, et notamment l'obligation de travailler à plusieurs, de s'écouter et de trouver des solutions ensemble. Merci Nathalie Loiseau, il nous reste un peu moins d'une minute, le temps d'une dernière question qui impliquera donc une réponse rapide. David Jaïs, qu'est-ce qui vous donnerait envie, si vous donnez un conseil justement à l'Europe ou au récit européen, pour vous sentir vous un peu plus européen demain qu'aujourd'hui? Bon, moi je suis profondément européen et je m'en rends compte quand je pars aux États-Unis ou en Chine, on partage un socle de valeurs qui est très fort. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus vers la culture. C'est-à-dire que ce qui cimente l'Europe, ça a été longtemps ce dialogue entre villes, entre nations, cette émulation intellectuelle.
Et c'est quelque chose qu'on ne sent pas toujours parce qu'on est face à des institutions un peu froides, un peu bureaucratiques, un peu désincarnées. Il faut redonner de la chaleur, il faut redonner de l'épaisseur culturelle. Et je suis persuadé que la profonde crise de sens que nous traversons actuellement, c'est par la culture qu'on la résoudra. Et donc l'Europe, elle peut plus qu'aucune autre incarner ça. Et je trouve que les dirigeants qui ont fait l'Europe ont beaucoup réfléchi normes commerciales, fiscalité, et peut-être pas assez justement anthropologie européenne, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'être européen dans le monde qui est le nôtre, et je crois qu'il a une signification assez profonde, et c'est à ça qu'il faut travailler. Alors aller vers la culture, aller vers France Culture, aller vers Arte, aller vers ce festival, merci beaucoup d'y avoir participé et d'avoir avec nous débattu de ces deux valeurs. On peut bien sûr applaudir nos invités. Merci à tous les deux. Allez, petit sondage rituel, le temps peut-être que nos deux prochains invités se préparent. Qui, encore une fois, a eu son point de vue, qui a changé entre avant et après? Est-ce qu'on a toujours la même personne? Non, cette fois-ci, cette personne ne s'est pas laissée influencer par les propos de nos invités. Donc, personne, c'est bien ça. Vous avez raison, vous êtes des gens convaincus et non manipulables. Et pour ça, je peux vous applaudir. On accueille bientôt, tout de suite, même Quentin, nos deux prochains invités. Et oui, on continue avec deux termes, collectif versus individu. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gaspard Koenig et Jérémy Pelletier. Merci à tous les deux d'être là. Philosophe et écrivain, il a fondé le think tank Génération Libre ainsi que le mouvement politique Simple. Il confronte la théorie à la pratique en chevauchant le monde pour ses ouvrages et pérégrinations. Merci d'accueillir donc Gaspard Koenig. Merci, bonjour à tous. Et face à lui, il est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, auteur d'un ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire il y a quelques semaines et intitulé « La fête est finie, point d'interrogation ». Je vous demande d'accueillir Jérémy Pelletier. Et la première question lui est adressée. Jérémy, en quoi le collectif est mis en danger aujourd'hui par l'individualisme et surtout comment vous le mesurez ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un terme que j'aime bien, qui a été popularisé, vous savez, par un journaliste qui s'appelle Vincent Cockbert, qui s'appelle la civilisation du cocon. La civilisation du cocon, globalement, c'est une civilisation qui a l'habitude de vivre enfermée et qui avait l'habitude déjà de vivre enfermée dans son petit appartement, dans sa maison, bien avant d'ailleurs la crise et bien avant le confinement. C'est une civilisation qui a, via les plateformes, via Deliveroo, via Amazon, a l'habitude, effectivement, de rester chez soi, d'aller de moins en moins à l'extérieur et, effectivement, d'avoir un rapport au collectif qui est beaucoup plus délité que par le passé. On le mesure par différents aspects. Quand vous interrogez les Français, vous avez 7 Français sur 10 qui vous disent « on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres ». Quand vous demandez aux Français « est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une communauté religieuse, une communauté culturelle ?» y compris la communauté nationale. Aujourd'hui, vous avez un Français sur deux, globalement, qui vous dit « non, j'ai pas le sentiment d'appartenir à une communauté ». Et puis, vous avez parlé de mon livre, donc je vais faire exprès d'en faire aussi la promo. Le sujet de la fête, il est intéressant, parce que, par définition, la fête, c'est une dimension collective. Vous faites pas la fête tout seul dans votre appartement, vous faites pas la seule... Ce serait un peu triste, en effet. Oui. Tout seul dans votre maison, avec votre téléphone, etc., etc. Bon, sauf que quand vous apercevez et quand vous regardez l'évolution dans nos façons de faire la fête au cours des 20 ou 30 dernières années, vous vous apercevez que les lieux collectifs tels qu'on les connaissait avant, les lieux classiques de fête tels qu'on les connaissait avant, typiquement, je prends deux exemples, les boîtes de nuit. Vous aviez 4000 boîtes de nuit en France il y a 40 ans. On en avait déjà perdu plus de la moitié avant le début de la crise. Vous prenez un autre exemple que j'aime bien, qui sont les bistrots. Vous savez, Balzac disait « le bistrot, c'est le parlement du peuple ». Aujourd'hui, le Parlement du Peuple, on avait 200 000 Parlements du Peuple dans les années 60 en France. On n'en a plus que 40 000 aujourd'hui parce qu'on a assisté à un phénomène qu'on appelle la fête à la maison. Une tendance effectivement au recroquevillement, à la fête filtrée avec des gens qu'on connaît, avec des gens maîtrisés. On a perdu un petit peu le goût des autres pour mille raisons et peut-être on y reviendra. Et voilà, c'est comme ça qu'en tout cas on le mesure et qu'on mesure effectivement les effets de ce recroquevillement et de cette civilisation du cocon. Merci beaucoup Jérémy Pelletier. Moi, petite parenthèse, hein, Quentin fait très souvent la fête tout seul chez lui. Voilà, si c'est je vrai. Peux faire un petit aveu. Sur TikTok. Voilà. Même pas, il est même déconnecté. Il est même tout seul face à sa collection, tout seul face à son miroir et sa glace. Gaspard Koenig, pensez-vous d'ailleurs que vous qui faites un peu la promotion de l'individu, on va dire, pour caricaturer et schématiser un petit peu la pensée, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment dans cette période, dans cette ère où, comme l'a évoqué Jérémy Pelletier, le collectif a tendance à se diluer, voire à se déliter ?
Je crois qu'on confond deux termes ici, et je reprendrai la distinction qu'a fait Popper. Il disait d'un côté, il y a l'individualisme et le collectivisme. Ce sont deux manières d'envisager le rapport entre l'individu et le politique, donc l'organisation de la société. Et de ce point de vue-là, oui, je suis individualiste, c'est-à-dire que je pense que le rôle de l'État est d'émanciper l'individu, c'est-à-dire fidèle à la tradition révolutionnaire, à ce jacobinisme libéral dont parle Rosan Vallon. L'État est arrivé pour désinguer les corps intermédiaires qui oppressaient l'individu, qui l'empêchaient de s'émanciper, qui l'empêchaient d'errer, qui l'empêchaient de sortir précisément de communautés qui étaient closes et fermées. Et en cela, je pense que l'individualisme est, en tant que système politique, une très bonne chose, et qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui ne le respecte plus du tout. On est dans un monde surnormé, suradministré, où précisément, constamment, l'individu est sommé d'obéir à des normes collectives. Après, il y a un autre couple qui n'a rien à voir avec la loi, mais qui est du domaine de la morale, qui est, disons, l'égoïsme ou le solipsisme versus la générosité, l'ouverture aux autres. Mais, je veux dire, ces deux couples ne fonctionnent pas forcément en parallèle. Et donc, on peut être, et c'est un peu mon souhait, très individualiste sur la manière dont on conçoit un système politique, et très ouvert, très généreux sur la manière dont on se comporte en société. Et j'ai même tendance à penser que plus le système politique sera individualiste, c'est-à-dire donnera des libertés aux individus pour expérimenter dans une société donnée le maximum de valeurs, de modes de vie possibles, plus l'individu sera porté à être précisément ouvert. Aujourd'hui, en France, je rappelle que il y a un Français sur quatre qui est engagé dans une association. Donc on peut avoir quand même un point de vue un peu plus nuancé sur... le renfermement des Français, que si les bars ont disparu, c'est aussi parce qu'on n'arrive plus à ouvrir des bars-restaurants, parce que le système précisément de normes collectives qui les régissent sont devenus absolument cauchemardesques pour ceux qui essayent. C'est d'ailleurs pas un hasard si la première chose qui est renée lors de la crise des Gilets jaunes, ce sont précisément des sortes de bars sauvages sur les ronds-points. Les gens ont envie de bars, c'est juste maintenant très compliqué réglementairement d'en ouvrir un. Enfin, moi, j'ai une expérience personnelle qui diffère un peu de ce que dit Jérémy, puisque j'ai traversé la France à cheval en pariant sur l'hospitalité des gens. Et cette hospitalité m'a été offerte. Et je pense que pour recevoir la confiance, il faut d'abord la donner. Et il faut la susciter. Et il faut trouver le prétexte. Et il faut s'ouvrir soi-même. C'est toute la leçon de Montaigne, d'ailleurs. Il dit je me suis échappé de tant de situations malencontreuses par ma bonne mine, par ma manière un peu candide de me donner aux autres. Et donc je pense que ça marche aussi en ce sens-là. Il ne faut pas attendre que les gens sortent de leur terrier. Il faut aller se présenter, il faut toquer aux portes, et on s'aperçoit que les portes s'ouvrent. Et Jérémy Pelletier, une réaction peut-être par rapport à ça. Vous disiez dans votre propos liminaire justement que les individus, que les Français en particulier, perdaient, eux, le goût des autres. Bah, justement, pour rebondir à ce que dit Gaspard, alors, je suis ravi si les gens ont fait preuve de beaucoup d'hospitalité lors de son tour de France en cheval. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiétait un petit peu. Vous savez, on vous a beaucoup vendu pendant le tout début du confinement, pendant tout le début de la crise. Vous allez voir, on va redorer les relations entre les voisins. On va redorer les relations de voisinage parce que, par définition, on va avoir beaucoup de choses liées à l'entraide. Les uns et les autres vont se partager, vont s'offrir des gâteaux. Les uns et les autres vont s'offrir des cookies. Bon, il y avait ce petit discours ambiant. Bon, c'est assez intéressant quand vous regardez les appels reçus par la police et la gendarmerie lors des 15 premiers jours de confinement. En moyenne, dans les grandes métropoles, 70% des appels reçus par la police et la gendarmerie, ce sont des appels de délation, ce sont des appels de dénonciation. C'est-à-dire, c'est des gens qui appelaient en disant mon voisin, là, il a été plusieurs fois faire les courses, plusieurs fois faire des allers-retours, je pense qu'il y a un problème. Mon voisin est en train de jouer au foot avec ses gamins, il n'a pas le droit de sortir, etc. etc. La maire du 20e arrondissement a été obligé de faire un appel à sa population pour leur dire, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des mails avec photos en pièce jointe à la police et à la gendarmerie pour dénoncer ou pour être jaloux, etc. de vos voisins, parce que globalement, ça ne se fait pas et globalement, ils ont autre chose à faire. Donc quand je dis on a perdu le goût des autres, alors effectivement, tu évoques le fait que c'est de plus en plus difficile aussi de créer des structures festives, des bars, des boîtes de nuit, etc. etc. Je suis assez d'accord. Après, quand on interroge malgré tout et quand on regarde malgré tout quels sont les souhaits des Français s'agissant justement de la fête, pour revenir à la fête, je suis frappé de voir que quand vous demandez aux gens c'est quoi pour vous un vendredi soir idéal, le premier truc qui arrive, c'est pas soirée entre amis, le premier truc qui arrive, c'est pas sortie de chez soi, le premier truc qui arrive, c'est plateau repas devant la télé. Voilà, donc est-ce que c'est un truc qu'on aime ou est-ce que c'est un truc qu'on veut défendre? On peut, hein, moi je juge pas, j'ai pas de jugement, je trouve ça plutôt triste, et c'est pas en tout cas l'image que je me fais d'une société
qui a encore le goût des autres et qui a encore une dimension festive dans sa tête et dans son cœur. Alors Gaspard Koenig, je vous ai vu à un moment donné réagir intérieurement au propos de Jérémy. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre réaction intérieure? C'est à quel moment que j'ai réagi intérieurement parce que... Ah, peut-être que vous avez des multiples interactions oui, intérieures. Non, je crois que c'était quand le mot de délation a été évoqué, il me semble. Oui, non, après, enfin, les statistiques me semblaient un peu étranges parce que 70%, c'est des délations, d'accord, mais on n'appelle pas la gendarmerie quand on va offrir des cookies à ses voisins. Donc, je ne sais pas très bien quel est le référentiel sur lequel on s'appuie pour dire que c'est un chiffre grave. Précisément, quand on appelle la gendarmerie, c'est généralement pour dénoncer ou parce qu'il y a un problème. C'est pas pour informer d'une situation bienheureuse. Mais là, c'est de la délation, c'est-à-dire de la délation de... Oui, le 70%, voici comment ça se passe. Statistiquement, le 70% me semblait pas... Alors voilà, c'était juste voilà pour éclaircir un petit point que j'avais repéré. Autre question, justement là, Jérémy nous disait voilà, les gens préfèrent rester chez eux devant la télé avec un plateau repas, etc. Vous avez plutôt que de sortir et dans un collectif, vous avez assez bien défini justement des notions qui pouvaient d'un côté l'individualisme, de l'autre côté le piège de l'Église. Pourquoi justement, pour revenir à l'individualisme ou même à l'individu, est-il un peu une notion mal aimée ou à mauvaise presse? Comment justement arriver à dépasser ces clichés, ces stéréotypes qui lui collent à la peau? Je ne sais pas s'il est mal aimé, moi je m'efforce de le réhabiliter. Par exemple, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La fin de l'individu » pour commenter un long périple que j'ai fait autour de l'intelligence artificielle. À la Silicon Valley, oui. Voilà. Et ce qui me perturbe justement dans l'usage des algorithmes de manière commerciale, dans les communautés qui sont formées précisément par les groupes Facebook et autres, par toutes ces plateformes, c'est que peu à peu, elles gomment le sentiment d'individualité. Mais ça veut dire qu'elle gomme tout simplement la singularité, la personnalité propre à chacun d'entre nous, qu'elle nous faut correspondre à notre propre moyenne statistique, qu'elle nous enferme dans une bulle de filtre où on ne se voit plus que soi-même, dans notre que soi-même, mais comme une moyenne de ce que sont les autres. C'est la manière dont fonctionnent ces algorithmes-là. Et donc, au fond, on interdit aux gens d'avoir une personnalité unique et on se méfie beaucoup de tout ce qui est de tout ce qui dévie. La déviation n'est pas bonne pour l'algorithme. Et donc, on va essayer de cadrer de plus en plus le comportement des gens pour que, globalement, ils se ressemblent et qu'ils se reconnaissent dans le comportement des autres. Bon. Et bien ça, précisément, c'est la formation de communautés. Est-ce que c'est un bien? Je ne pense pas. Je pense que, quelque part, tout le progrès de notre civilisation, ça a été d'extirper l'homme de sa communauté. Si vous prenez Pierre Clastres, La société contre l'État, l'anthropologie, elle vous explique, cette anthropologie, que eh bien, dans les sociétés primitives sans État, l'individu était tellement noyé dans sa communauté qu'il n'y avait pas besoin d'État pour l'apprivoiser, qu'il était tatoué, qu'il passait par toutes sortes d'épreuves initiatiques, et que donc il faisait corps avec sa société. Et que, quelque part, le progrès de les Lumières, l'autonomie kantienne, ça a été de faire intervenir l'État pour émanciper l'individu de ces communautés qui étaient trop prévalentes, trop prégnantes et qui l'empêchaient de développer une singularité. Voilà. Et je pense qu'on voit un peu le même phénomène se former avec toutes ces communautés très aliénantes, au fond, qui sont les communautés, en l'occurrence, virtuelles, et que là aussi, on a besoin, comme on en a eu besoin il y a 2 siècles, de l'État pour nous émanciper, pour nous redonner quelque part un libre arbitre, pour nous permettre de construire une personnalité qui n'est pas un donné, mais qui est une construction. Et pour ça, il faut avoir aussi un espèce d'espace, disons, de silence intérieur, où on peut faire évoluer cette personnalité, où on peut aller se chercher. C'est toute la démarche aussi stoïcienne de Montaigne. Et que dans le bruit constant, ambiant, dans l'infinité des sollicitations qu'on reçoit, on n'a plus cet espace. Et que donc la construction de l'individu, ça n'a rien à voir avec se renfermer sur soi-même. C'est une démarche politique, sociale, qui est plus importante que jamais. Et je pense que, justement, l'utilisation, pour revenir au début de la question, du terme d'individualisme ne permet pas de bien placer ce débat, parce que l'individu, en tant que être unique, qui a une personnalité qui s'est construite à travers le temps, il faut le protéger. Il y a des propositions de politique publique pour ça. Moi, je propose un revenu universel, la propriété privée des données. Tout ça, c'est des choses qui permettent de donner à l'individu les moyens de son autonomie. Pour moi, c'est ça la formule magique. L'État doit donner à l'individu les moyens de son autonomie et être neutre ensuite sur les choix et les valeurs qu'il choisit. Mais ça, c'est à développer aujourd'hui et dans notre société. On n'est pas... Et donc, il y a un individualisme ensuite, disons, sociétal ou de caractère ou de comportement.
c'est quelque part quelque chose qu'il ne faut pas confondre. On l'a compris. Jérémy Pelletier, là, ce que vient de dire Gaspard Koenig, la part de l'individu résumée à sa statistique, le côté individuel, si on laisse de côté l'individu, mais le côté individuel qui remplacerait des valeurs collectives, c'est aussi un diagnostic que vous partagez en partie dans votre ouvrage. Oui, oui, absolument. Et je suis totalement d'accord effectivement avec Gaspard. Quand justement il décrit ce que créent justement les algorithmes et entre guillemets le modèle algorithmique, etc., sur les individus. Justement, c'est ça, je pense, qui participe au recroquevillement sur sa sphère privée. C'est ça qui participe justement à ce qu'on appelle la civilisation du cocon, parce que ça, effectivement, c'est ça qui participe à créer des bulles, etc., très réconfortantes et très aliénantes. Par ailleurs, je crois que c'est ça qui touche quelque chose, je pense, qui va plaire à Gaspard et que j'essaie aussi de défendre dans le livre, c'est ça attaque des valeurs comme la spontanéité, ça attaque des valeurs comme le hasard, comme le goût du hasard, les hasards des rencontres, le hasard d'une situation, ça attaque le goût du risque d'une façon générale et d'une façon générale, effectivement, la spontanéité non contrôlée, non maîtrisée. On a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous sépare peut-être, je parle pour vous et vous me dites si je me trompe, mais chez Gaspard Koenig, il y a cette idée que il y a quelque chose de très optimiste dans la valeur de l'individu, non pas de l'individualité, mais dans la valeur de l'individu, tandis que Jérémy Pelletier, vous êtes peut-être plus pessimiste sur la capacité de l'individu justement à aller vers l'autre et à créer un collectif de manière spontanée. Oui, absolument, je pense que c'est l'un des éléments qui peut nous séparer. Moi, je suis assez effectivement pessimiste sur la capacité effectivement de l'individu à sortir en fait de sa zone de confort, à s'obliger effectivement de dépasser son petit moi dans une époque effectivement que je considère comme étant de plus en plus narcissique, de plus en plus égoïste. Il y a un exemple que j'aime bien, je suis très frappé de voir comment maintenant dans les grandes métropoles, le sujet que doivent gérer, que doivent traiter les maires de ces différentes villes sont la question des nuisances sonores. Qui sont les nuisances sonores, c'est très intéressant parce qu'en gros, vous avez pendant les confinements des habitants de grandes métropoles dont je fais partie qui ont goûté l'expérience, vous savez, du chant des oiseaux. Ah, c'était merveilleux. Du jour au lendemain, on s'est aperçu qu'on pouvait écouter le chant des oiseaux dans les villes. C'était très agréable, etc., etc. On revient en situation normale. Les gens ne veulent absolument pas revenir à la vie d'avant. Les gens ne veulent absolument pas revenir à la ville bruyante, effectivement, d'avant. Est-ce qu'une société qui a le goût des autres est une société qui ne tolère plus le moindre bruit, qui fait des nuisances sonores, dont je ne minimise pas effectivement l'impact aussi sanitaire sur justement les individus, mais globalement, vous avez décidé de vivre en ville, vous avez décidé de vivre dans un climat bruyant, parce que le bruit, c'est les autres, c'est le bruit, etc., etc. Bon, une époque qui passe son temps à dire « je ne supporte plus les nuisances sonores dans ma ville », alors que par définition, c'est intrinsèque à la ville. Voilà, c'est en ça où moi, je suis peut-être effectivement beaucoup plus pessimiste dans notre capacité, effectivement, à sortir de notre zone de confort, parce que c'est aussi, voilà, ce que je disais, Deliveroo, Amazon et toute cette époque-là aussi qui contribuent à ce primat du confort et à ce primat du domestique sur la vie collective. Oui, ça je pense que c'est effectivement de toute façon, un constat que vous partagez hein, sur cette notion du cocon qui enferme les individus. Vous l'avez évidemment très bien expliqué dans votre ouvrage en expliquant que le libre arbitre même de l'individu pouvait être menacé par toute cette société du cocooning, cette société en fait qui ne laisse plus à l'individu la maîtrise finalement de ses goûts, de ses attentes. Juste Gaspard Koenig, je vous laisserai réagir et peut-être après pour finir nous expliquer votre mouvement politique qui s'appelle je crois Simple, assez simplement, quelle est sa ligne directrice. Alors juste pour, je reviens sur l'exemple des nuisances sonores qui concernent aussi la campagne, puisque ce qu'on voit apparaître avec les néo-ruraux à la campagne, c'est que les gens qui s'installent ne supportent plus le bruit du tracteur, etc. Mais il y a un processus qui est très intéressant parce qu'il est en plein essor dans la sphère juridique, c'est la médiation. Et j'étais rencontré des médiateurs à Bordeaux qui m'ont expliqué que pour tous les litiges qui sont en dessous de 5000 euros, donc typiquement une nuisance sonore, la haie qui est trop haute, le chien qui aboie, etc., avant de passer devant le juge, maintenant il y a l'obligation de s'asseoir dans une pièce avec le médiateur et de se parler. Et on s'aperçoit que ça résout 75% des problèmes. Et donc ça, quelque part, ça me donne confiance. C'est-à-dire que quand on met les gens face à face et que l'agriculteur, il s'explique, bah oui, voilà, j'ai besoin de labourer le champ à tel moment et parfois la nuit, l'été, parce que c'est là que les moissons, ça se fait la nuit. Et tout. L'autre comprend, puis on s'ajuste et puis on passe des compromis. Et alors, il faut des cadres institutionnels aujourd'hui, effectivement, pour que cette médiation se passe. Là, en l'occurrence, c'est un médiateur juridique. Ça peut être, en Suisse, il y a les assemblées de canton. Enfin, oui, il faut des cadres institutionnels. Mais une fois qu'on met les gens face à face, très souvent, on arrive en fait à trouver des solutions.
Alors que la tendance, effectivement, trop facile, est directement d'en appeler au juge ou au policier sans même avoir pris le temps de décrocher son téléphone. Et ensuite, s'agissant de simple, qui tombe un peu là comme un cheveu sur la soupe, je pense, mais précisément, une de mes expériences de la traversée du territoire, c'est que la question de la bureaucratisation de nos vies, qui a été bien soulevée par un anthropologue comme David Graeber, est une question en fait centrale. C'est une question qu'on considère toujours périphérique dans le débat politique. C'est oui, il y a la paperasse, faut simplifier, puis il y a toujours une commission de simplification, une loi de simplification. J'ai l'impression que c'est plus que ça, que c'est un phénomène véritablement un rapport de contrôle en fait entre la puissance publique et l'individu qui envoie de la défiance et à laquelle l'individu réagit précisément en allant trouver un interstice, en fraudant, en se mettant dans un petit coin sous le radar où discrètement il peut mener sa vie. Et où en fait cette question de la bureaucratisation concerne à la fois la question de la liberté, celle de la justice sociale, parce que ce sont les plus faibles qui sont incapables de gérer la complexité administrative et normative, et la question de l'état de droit, parce que sans confiance dans la loi, parce qu'on ne peut plus comprendre la loi qui est devenue inintelligible, bah, c'est même plus la peine de faire de la politique ou de parler du sens du collectif ou rien. C'est-à-dire que c'est gangréné. Et donc ce mouvement qui s'appelle Simple a pour objectif de monter la question de la simplification de la vie au sens administratif, mais aussi plus largement, parce que je pense que c'est une vraie tendance sociétale, y compris dans le rapport à la nature, dans le rapport aux autres, comme un sujet politique prioritaire, et que de la matrice de la simplification, on peut tirer énormément d'autres fils sur l'ensemble en fait des domaines de la politique publique, sécurité, immigration, système social, santé, retraite, etc. Et qu'à un moment donné, quand on défend des idées, comme je le fais depuis un peu 10 ans dans le débat public, et qu'on a l'ambition d'être assez précis dans les propositions qu'on met sur la table, bah, il faut essayer de passer, en tout cas, même si c'est compliqué, dans l'agora. Et c'est là où on revient justement pour le collectif, hein, pour le milieu du collectif. Sans ça, justement, ce mouvement peut avoir une pertinence. Et on sait que la tâche sera ardue parce qu'on sait qu'évidemment, il n'y a rien de plus complexe que la mission de simplifier. Jérémy Pelletier, peut-être un mot de conclusion extrêmement rapide. Oui, juste pour extrêmement rapide. Effectivement, entre nos débats et ce que disait Gaspard, le sujet de la bureaucratisation, il est très intéressant parce que c'est un des éléments qui génère un qualificatif qu'on emploie beaucoup aujourd'hui dans la société, qui est la fatigue, psychologique. C'est générateur d'extrêmement de fatigue. Je suis toujours très intéressé quand je regarde, quand vous demandez aujourd'hui aux Français le premier qualificatif qu'ils ont en tête quand on leur demande leur état d'esprit actuel, c'est la question de la fatigue. Et quand vous regardez, ceux qui sont beaucoup touchés par la bureaucratisation, c'est beaucoup ceux qui travaillent dans le public, c'est beaucoup de fonctionnaires. Et effectivement, vous avez aujourd'hui les gens qui travaillent dans le public qui disent à 10 points de plus que les gens qui travaillent dans le privé, effectivement, je me sens fatigué psychologiquement, physiquement. Donc, et la fatigue, c'est ça aussi qui crée le repli sur soi, le cocooning, le fait de ne plus sortir de chez soi, parce que globalement, le vendredi soir et le samedi soir, on est fatigué. Et donc c'est pour ça que je fais le lien entre les deux, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est la fatigue aussi qui génère du recroquevillement, et que la bureaucratisation participe des éléments fatigants dans l'époque et dans la société. Et ben moi je vais vous prouver à l'instant que notre public n'est pas fatigué, car il a vous applaudir chaudement. Merci. Et nous entrons dans un quatrième débat, pardon François, nous entrons dans un quatrième débat qui opposera deux termes institutionnels versus alternatifs. On aurait pu le formuler autrement, système anti-système, et j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Gerbier et Julie Martinez. Et oui, elle est juriste en droit de l'environnement et diplômée de l'école AgroParisTech. Elle participe activement à l'action de l'affaire du siècle, cofondatrice de l'association Terre de Lutte qui se bat contre les projets imposés polluants en France. Merci donc d'applaudir chaudement, sans fatigue. Toujours avec vitalité, Chloé Gerbier. Bonjour. Et face à elle, elle est juriste, également avocate au barreau de Paris. Elle vient de faire paraître un livre aux éditions Fayard avec Jacques Attali et France Positive, une initiative transpartisane qui veut faire le diagnostic des réalités de la France. Je vous demande d'accueillir Julie Martinez en l'applaudissant chaudement. Bonjour à tous. Voilà, on vous a bien utilisé effectivement pour accueillir nos invités, pour lancer ce quatrième et avant-dernier débat. Chloé Gerbier, on va rentrer une nouvelle fois dans le vif du sujet. Peut-on changer le système au sein du système, ou doit-on forcément passer par des chemins détournés? Alors je pense que évidemment c'est pas aussi tranché, on avait du mal en réfléchissant au terme à opposer institutionnel et alternative. J'aimerais néanmoins poser le fait que quand on parle d'alternative, souvent on a un biais. C'est qu'on va toujours se dire, en fait, les personnes qui utilisent les chemins détournés, les chemins hors système,
ne sont pas conscients du système. Et souvent, ces voix, du coup, les voix des personnes qui sont là, qui luttent, qui manifestent, qui montent des ZAD parfois, sont souvent un peu ignorées parce qu'on se dit, en fait, ils n'ont pas conscience, ils sont fous, ils ne savent pas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et pour moi, c'est pas parce qu'ils mettent l'environnement, parce que bon, je parle de ce que je connais, du coup, les luttes environnementales, mais c'est pas parce qu'ils mettent l'environnement avant tout et qu'ils disent que c'est possible que forcément ils ignorent ce système-là. Et je pense que c'est hyper important de voir qu'en fait, c'est potentiellement aussi une stratégie d'être à l'extérieur du système, de dire qu'en fait, on demande énormément, on demande que ça passe en premier pour éviter d'obtenir peu. On l'a bien vu avec l'affaire du siècle, on demande énormément, on obtient peu. On l'a vu avec la loi climat, on demande énormément, on obtient peu. Donc en fait, peut-être tout simplement que ces personnes qui utilisent des alternatives aussi sont là dans un but stratégique et c'est ce qu'on cherche à obtenir en fait en demandant l'annulation des projets, en demandant aussi, par exemple, comme Extinction Rebellion, la neutralité carbone 2025. Est-ce qu'on doit se dire en fait qu'ils sont tous fous à chaque fois qu'on fait une action, qu'on est dans les rues? Est-ce qu'on doit se dire, en fait, ils cherchent à obtenir la neutralité carbone 2025? Ils sont fous, c'est impossible. Moi-même, quand je fais une action avec Extinction Rebellion, je me dis pas que demain, tiens, le gouvernement va se réveiller, va se dire, allez, 2025, ça va le faire. Non, c'est pas ça. Mais en fait, si on demande moins, on n'obtient rien du tout. Et ça, ça peut être aussi une stratégie. Julie Martinez, vous avez formulé avec Jacques Attali un certain nombre de propositions dont la plupart se situent quand même dans le système, et notamment dans le système institutionnel, dans le système électoral. Est-ce que vous croyez encore que le système peut changer les choses, et ce dans un contexte où là on arrive quand même en partie sur la question écologique, où on se retrouve tout de même face au mur? Oui, je suis persuadée que nos institutions, en tout cas, même si elles sont en crise, peuvent encore permettre de faire avancer et de protéger le dialogue. C'est-à-dire que, et je pense qu'on en a discuté un petit peu en off, lorsqu'on oppose institutionnel et alternatif, moi, je suis persuadée que l'institutionnel permet justement ce dialogue alternatif en son sein, en son espace. L'institutionnel, les institutions, c'est ce qui protège, c'est ce qui est durable, c'est ce qui est stable. Alors évidemment, il faut suffisamment de flexibilité pour permettre cette autre voie alternative. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que vous agissez, dans le cadre de manifestations démocratiques, même si elles frisent parfois la désobéissance civile. Je pense qu'on est quand même dans un cadre stable et durable qui permet ce dialogue, qui permet cette alternative. Maintenant, sur la question de est-ce que le système permet encore de faire changer les choses, je pense que tant que nos institutions seront assez flexibles pour permettre justement de proposer d'autres choses, on pourra être dans ce cadre-là. Néanmoins, c'est toute la question de la réforme et de la révolution. C'est-à-dire que nous, on est dans un cadre protecteur qui permet de proposer d'autres choses, un nouveau dialogue, de transformer le conflit en négociation. Le jour où nos institutions manqueront de cette flexibilité, la question de la révolution se posera. Et c'est là qu'il faut faire attention et être très vigilant. Donc nous, par exemple, avec Jacques Attali, dans le cadre de ce travail collectif, on est une trentaine de rapporteurs, on propose, si vous voulez, de réformer nos institutions pour permettre cette flexibilité et encourager le dialogue citoyen, encourager la participation citoyenne pour faire avancer les choses. Claude Gerbier, vous avez vu réagir. Ouais, je me dis... Bon, flexible peut-être, néanmoins, en fait, on voit dans les alternatives une forme de mouvement créateur. Quelque chose qui est en dehors du cadre, en fait, parce que les institutions, mine de rien, étouffent en quelque sorte ce cadre-là. Et on voit des choses nouvelles, des nouveaux sens, des nouveaux termes, des nouvelles formes d'action, des nouvelles formes de réfléchir en intelligence collective, avec de l'horizontalité, qui sont complètement novatrices et qui ne pourraient pas émerger de la même façon au sein des institutions. Avec l'association Terre de Lutte, on a lancé une grande enquête sur les 370 collectifs en lutte de la carte reporter, et on en a interrogé un certain nombre. Et parmi ces collectifs, 41%, quand ils ont le temps, quand ils ont l'argent, quand ils arrivent à souffler un petit peu, ont réfléchi à un projet alternatif. Et ces projets alternatifs, ils sont assez incroyables parce que justement, ils ne rentrent pas dans les codes. En fait, ils ne s'intéressent pas à ce que les institutions permettent, à ce qui est dans le cadre, mais ils vont beaucoup plus loin que ça. Par exemple, là, cet été, s'est tenu les États généraux de la montagne avec Mountain Wilderness, et le but était réellement de réfléchir à, en fait, qu'est-ce qu'on met à la place du sport d'hiver. Et c'est des questions, mine de rien, que les institutions n'ont pas l'air de se poser, alors que ça me semble classique et énorme qu'en fait, on ne va pas pouvoir continuer sur cette voie-là. De la même manière, on a un collectif qui s'est amusé, alors amusé ou pas, il l'a fait pour la lutte, mais disons que c'est les lentillères, et ils ont réfléchi à comment inscrire les jardins ouvriers qu'ils défendent dans le plan local d'urbanisme. Et ils ont créé une nouvelle zone qui s'appelle la ZEC, la zone d'écologie communale. Et donc on voit réellement cet élan créateur qui est essentiel,
qui se construit hors institution et qui cherche à réinvestir les institutions, qui cherche à remplacer les mots normés, fermés, étriqués qu'on a mis à la place pour essayer d'insuffler justement quelque chose de nouveau. Et c'est grâce, je pense, à ce truc de l'extérieur qu'on arrive à changer les choses vraiment, à vraiment progresser en fait. Julie Martinez, oui, pardon, je vous en prie. Non, je voulais juste, je pense qu'on n'est pas du tout en contradiction sur ces termes, c'est juste qu'on n'a peut-être pas la même définition de ce qu'est une institution. Là, je pense que l'alternative dont tu parles, c'est peut-être une alternative aux politiques publiques, par exemple, ce qu'on va décider de faire en matière environnementale, en matière écologique. Néanmoins, le cadre vraiment institutionnel, comme on l'entendrait, par exemple, de nos institutions républicaines ou de nos institutions politiques, permet justement l'expression de cette voix, et c'est ça qu'il faut absolument protéger, à mon sens, a fortiori en temps de crise. C'est-à-dire qu'il faut cette durabilité, cette stabilité qui permette l'expression d'autres politiques à l'initiative, par exemple, de collectifs comme le tien. Justement, peut-être une réaction par rapport à ce que vient de dire Claude Gervais. Julie Martinez, est-ce que vous êtes d'accord, en désaccord, avec cette idée que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, puisque je crois que vous en proposez réforme, ne permettent pas l'expression, la vitalité, le dynamisme, la diversité du corps social dans son ensemble ? Je suis tout à fait d'accord. Dans le cadre de notre travail citoyen et encore une fois transpartisan avec la commission France Positive, donc dirigée par Jacques Attali, Vous dites transpartisan, pardon, ça va d'où à où ? De tous les bords politiques. Alors, on n'a pas fait un sondage de l'affection politique de nos rapporteurs. Néanmoins, si vous voulez, on ne peut pas être apolitique. Je veux dire, en tant que rapporteur, on a juste veillé à ce que nos propositions soient le plus transpartisanes possible. C'est-à-dire que ce soit des propositions qui, à minima, qu'on soit de droite ou de gauche, fassent avancer la France. Donc on a évidemment des propositions environnementales, mais qu'elles soient en matière, par exemple, d'éducation scolaire et, comme vous le disiez, aussi institutionnelle. Sur nos institutions, effectivement, il y a une crise, que ce soit nos institutions politiques ou vraiment républicaines, comme pourrait être l'école ou la justice. En particulier nos institutions politiques, il y a une crise grave. Vous voyez, augmentation de l'abstention, des violences de plus en plus fortes dans les rues lors de manifestations, il y a bien une crise. Donc pour y répondre, on a essayé de réfléchir à la question de la participation citoyenne. Est-ce que, par exemple, les Français n'ont pas été consultés de manière directe depuis 2005 par référendum, je veux dire, pour le rejet, vous savez, du traité instituant la Constitution à un niveau européen. C'est quand même grave. Et il y a ce sentiment, finalement, d'abandon, de ne plus avoir sa voix. Donc, dans le cadre de ce bouquin-là, on propose de renforcer le référendum, par exemple, d'initiative partagée ou citoyenne. On propose également de revoir, en tout cas, le fonctionnement de nos institutions qui, aujourd'hui, a vu son équilibre complètement chamboulé depuis la réduction du mandat présidentiel. Ce sont des propositions, en tout cas, qu'on fait. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que cette qualification-là d'institution politique ne fait pas sens si on ne parle pas également d'institutions, je dirais, plus républicaines, c'est-à-dire ce qui nous entoure. La question de l'école, on a un problème quand même éducatif en France avec un niveau des élèves qui est de plus en plus bas et surtout des inégalités entre les élèves de plus en plus élevées. Ce n'était pas digne de la France. On a un problème également avec notre institution judiciaire, si on reprend encore ce terme-là. Nous, on propose de renforcer les moyens de la justice française pour qu'elle soit à minima au niveau de nos pays membres européens. Alors, Chloé Gerbier, est-ce que vous pensez que le système peut s'inspirer de certaines idées, on va dire, alternatives, sans forcément les annihiler, les vampiriser, les absorber, les digérer ? J'aimerais bien. Non, mais je reviendrai un peu sur ce qui a été dit sur la participation, parce qu'en fait, c'est là, justement ça, c'est le nœud. Hein. Mais en fait, malheureusement, cette participation aujourd'hui, avec les institutions telles qu'elles sont, ça ne marche juste pas. On a une convention citoyenne pour le climat qui est arrivée avec 149 propositions. Résultat, on a une loi climat qui n'en reprend qu'une toute petite partie, une ou deux, et encore de manière incomplète. Donc en fait, c'est aussi... cette déconnexion totale entre les politiques publiques, évidemment ce qui se passe au sein de l'Assemblée, et ce qui se passe sur le terrain qui crée ce mouvement d'alternative. En fait, derrière les institutions, le ressenti. Sur le terrain, auprès des luttes locales, on a pu voir réellement que, finalement, les personnes qui luttent au quotidien contre les projets imposés et polluants, c'est pas du tout des personnes qui, à la base, sont potentiellement politisées ou qui sont militantes. En fait, c'est juste des personnes qui se sont senties floués, qui ont ressenti un déni de démocratie et en fait pour lesquels en fait on est en train d'attaquer la santé publique complètement. Et donc sur ce terrain-là, c'est là qu'elles vont agir. On n'arrive plus à gagner au niveau national, on n'arrive plus à gagner au sein des institutions et par la participation. Donc évidemment, à côté de ça, on y va sur le terrain et c'est là qu'il y a des victoires. On l'a bien vu avec
le projet des bassines qui, en ce moment, on voit bien que les politiques publiques autour de l'eau et des agences de l'eau ont donc décidé qu'on allait créer des bassines agricoles qui allaient pomper dans les nappes phréatiques au profit de l'agriculture notamment intensive, moins de 4% des agriculteurs. Et donc, en fait, à ce stade-là, à cette échelle-là, on n'a rien pu faire. Les politiques sont passées, on a à peine consulté, et puis les consultations qui n'étaient pas dans le sens de la politique n'ont pas été prises en compte. Et du coup, évidemment, bah, quand il y a des bassines qui sont en train de se créer à côté de Niort, et bah, là, on a des militants, 3000 militants qui vont sur la bassine, qui occupent la bassine et qui essayent de en fait, réinvestir aussi en interpellant les pouvoirs politiques. Pardon, Julie Martinez, j'ai une réaction. Non, je suis tout à fait d'accord. Le seul risque que je vois, moi, à faire évoluer la société en se basant vraiment par la lutte sur le terrain, c'est le risque finalement de la fragmentation aussi de notre société. Et l'institution, si elle est là, c'est aussi pour être au-dessus de cette fragmentation-là. Alors la lutte sur le terrain peut avoir cet effet parfois pervers que de ne pas porter un projet de société à une échelle nationale à proprement parler. C'est le risque d'ailleurs du référendum. Nous, quand on prône un référendum renforcé, on nous oppose souvent, mais dans ces cas-là, il n'y a plus de représentation du peuple à une échelle suffisamment élevée. Et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs des seuils suffisamment élevés pour que ces systèmes-là ne soient pas dévoyés par des minorités participatives qui iraient finalement à l'encontre de l'intérêt collectif. Donc c'est toujours un peu la balance entre les deux. Néanmoins, comme le disait Chloé sur la question environnementale, mais on l'a vu également avec la question du MeToo, si nos politiques publiques et après nos institutions s'en sont saisies, c'est bien qu'il y avait un besoin fort sur le terrain de faire changer les choses. Et c'est aussi là que cet équilibre se fait. Chloé Gerbier, peut-être une réaction à l'idée que la lutte locale serait vecteur de fragmentation. L'idée que vous partagez, évidemment. Je pense que la fragmentation, elle est déjà là. En fait, les dernières consultations du public qu'on a eues, Convention citoyenne pour le climat, grand débat, on n'a toujours pas les doléances qui ont été publiées. En fait, on est déjà dans quelque chose de fragmenté, on est déjà dans une institution qui ne représente qu'une partie de la population. Et ces luttes locales, est-ce qu'elles sont vecteurs de fragmentation ? Non, elles sont vecteurs en fait de participation, de ressenti et d'alerte pour moi surtout. Et après, à voir ce qu'on fait de ces alertes. Et pour l'instant, les pouvoirs publics font peu de choses de ces alertes. Mais en fait, quand des personnes disent, en fait, c'est la 10e usine qui s'installe dans un périmètre de moins de 10 km autour de chez moi, je ne respire plus, mes enfants ne respirent plus. Je ne pense pas que ça soit vecteur de fragmentation. C'est vecteur de droits humains. Reste aussi la question, Julie Martinez, de la confiance, hein, puisqu'elle est finalement au centre aussi de cette problématique-là. Comment parvenez-vous, quels seraient selon vous les moyens de réinsuffler de la confiance par rapport à nos institutions ? Parce qu'il y a quand même, pour certaines parties de la population, une vraie crise de défiance. Avoir un discours éclairé et, je pense, ouvert avec le peuple. C'est-à-dire que là, typiquement, à quelques mois d'une échéance politique aussi importante que les présidentielles, on n'a aucun candidat qui a un programme établi et qui va le proposer aux Français. C'est-à-dire qu'on demande aux Français d'avoir confiance, de participer, de pouvoir réagir à des propositions alors qu'elles ne sont même pas encore sur la table. On va attendre 15 jours avant de les proposer, c'est quand même bon. À partir du moment où on a des candidats qui ont un programme bien construit, qui vont proposer et débattre de ces éléments-là face aux Français, je pense qu'on va déjà pouvoir avoir un débat sain pour pouvoir en discuter. Après, sur la question de la confiance, il y a effectivement, et c'est ce que disait Chloé, proposer de nouvelles choses et puis après les mettre en place. Et je pense qu'il y a un suivi politique aujourd'hui qui n'est pas toujours à 100% efficace et qui est d'ailleurs regretté dans certaines... Je pensais à la convention dont tu parlais, citoyenne, pour le climat. Lorsqu'on s'engage à reprendre... alors c'était peut-être aussi une erreur en amont, a priori, que de promettre de reprendre l'ensemble des propositions. Mais à partir du moment où on s'engage face au peuple, il faut pouvoir être à la hauteur de ses engagements. Et c'est là que le bât blesse souvent en politique. Chloé Gerbier, vous, quel est votre... c'est vrai qu'on est à 6-7 mois maintenant d'une échéance électorale. Oui. Quelle est votre confiance dans ce système électoral ? Est-ce que vous croyez en sa capacité de changer les choses ? Alors aujourd'hui, il est assez faible. Ma confiance en ce système est assez faible. Je me dis néanmoins que on a besoin aujourd'hui de réfléchir les politiques publiques aussi à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on prend réellement des décisions, on a des grands axes qui sont là, contre lesquels se battent notamment les marches climat. Enfin, voilà, on a une forme de mobilisation nationale contre les institutions, les politiques publiques, qui est en fait très éloignée du terrain. Et je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir une transparence sur les symptômes de ces politiques publiques. C'est-à-dire que quand on décide de réindustrialiser la France, comme l'a fait le rapport Kasbarian, comme ce à quoi contribue la loi ASAP votée récemment, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ?
Des sites clés en main, qu'est-ce que ça veut dire les sites industriels clés en main? Ça veut dire en fait qu'on va peu consulter la population, qu'on va bétonner énormément et évidemment en fait qu'on va juste flouer l'information et la participation du public, tout ça au profit d'une bétonisation croissante pour des projets qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, moi, j'aimerais qu'à chaque fois qu'on propose une politique publique, on redescende un petit peu et on regarde ce que ça va faire comme symptôme réel sur le terrain. Et là, dans ce cas-là, avec ce type de transparence, on pourrait avoir confiance. Malheureusement, elle n'a pas l'air d'être au programme. Julie Martinez, justement, par rapport aux propos de Chloé Gerbier que vous entendez, et puis des différentes questions ou sujets qu'elle a pu justement débattre, comment vous vous nourrissez dans vos travaux de ces inspirations qui viennent justement de l'alternative, pour le résumer? Comment ça vous nourrit? Alors, nous, dans le cadre de nos travaux avec la Commission France Positive, on a auditionné des experts, donc effectivement, on nous le dit souvent, de grands noms, donc anciens politiques, etc., mais aussi et surtout des femmes et des hommes de terrain, donc des présidents d'associations, Anne-Cécile Malferde, par exemple, pour la nommer, des hommes et des femmes qui s'engagent au quotidien pour des problématiques identifiées. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une demande, je pense, de nos concitoyens, que de se dire, à partir du moment où on va proposer des politiques publiques, il faut qu'elles puissent être en appui, d'une part, d'un besoin, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir aussi parler de bon investissement lors de politiques publiques, mais aussi qu'elles puissent être analysées dans les faits quant à leurs conséquences sur la vie des gens. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de prendre en compte, en tout cas, dans nos travaux. Chloé Gerbier, peut-être un mot de conclusion sur la capacité de la lutte locale à changer les choses, une conclusion optimiste sur la puissance du local. On doit finir toujours sur une note d'espoir. Hein. C'est dans le contrat. Moi, je pense qu'on parle beaucoup des 370 collectifs identifiés en lutte sur les 4 reporters. Il faut savoir qu'il y a aussi 50 victoires sur cette lutte-là. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, l'échelle gouvernementale, elle est vraiment bloquée. Et donc, ces manifestations au local, on voit qu'elles peuvent gagner. Il y a des personnes qui s'investissent, c'est les personnes qui sont touchées, qui s'investissent en plus. Et on a des victoires. Et je pense que c'est assez positif, déjà. Julie Martinez, une réaction sur peut-être un mot optimiste sur la capacité du... Que ce soit local ou pas, hein, on est aussi une commission qui s'engage, on est bénévole, on a tous un métier à côté, on a cherché à établir des constats, des propositions qui puissent toucher l'ensemble des Français, que ce soit en matière éducative, sanitaire, sociale, environnementale. On est, je pense, une sorte de médium aussi alternatif qui permet de contribuer à ce que nous faisons de la vision de la France et de ce qu'elle peut être comme réussite dans l'avenir. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos propos ici localement à la maison de la radio pour le festival. Et maintenant, sous bien sûr les applaudissements du public. Et on va enchaîner, Quentin, avec déjà notre dernier binôme et dernier débat. Et oui, le dernier débat opposera les termes de mérite versus égalité. Et nous avons le plaisir pour ce faire d'accueillir Annabelle Anouche et Daniel Truong-Loi. Et oui, il est professeur agrégé de philosophie, professeur de Cannes. Il lutte au quotidien et sur le terrain contre les inégalités, des chances et les discriminations. Il tient les cordées de la réussite. Je vous demande donc d'applaudir Daniel Truong-Loi, s'il vous plaît. Et face à lui, elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne. Elle vient de faire paraître Mérite aux éditions Anna Moza, qui fait suite à La Société du Concours paru au Seuil en 2017. Je vous demande d'accueillir Annabelle Alouche. Et pour entrer tout de suite dans le vif du débat, j'aimerais vous interroger, Annabelle Alouche, sur ce qui me paraît être peut-être un paradoxe, parce que d'un côté, on voit que la rhétorique méritocratique est toujours bien présente dans le débat public et dans le système institutionnel, et de l'autre, ces réussites sont totalement absentes des statistiques publiques. Oui, absolument. Ce qui est très intéressant avec le mérite, c'est que c'est une notion évidemment absolument paradoxale. C'est une notion qui est désigné notamment par le système scolaire comme une notion désirable. On a envie de se mettre en scène comme méritant. On a envie de se définir et de se voir défini par les institutions scolaires comme méritant. Et en même temps, effectivement, on voit sociologiquement et d'un point de vue statistique, en fait, que les parcours dits de transfuge de classe, puisqu'on en a beaucoup parlé à l'occasion de la rentrée littéraire, sont en fait des exceptions. Et ce qui est important, c'est, je pense, de ne pas prendre l'arbre qui cache la forêt pour la forêt en quelque sorte, et véritablement mettre en œuvre dans le cadre de politiques publiques, et ça je pense qu'on va en discuter, des moyens qui sont ajustés pour que cette réussite, elle soit accessible pour tous, et pas seulement par certains individus qui sont sélectionnés de manière précoce.
Alors, Daniel Trongois, que retirez-vous de votre expérience de terrain, puisque je l'ai dit, vous avez de nombreuses actions sur le terrain, sur les vertus du mérite? Les vertus du mérite sont nombreuses. Déjà, ils ont cette vertu de pouvoir mobiliser certains jeunes, notamment dans le crédit qu'on peut donner actuellement à l'institution, notamment à l'institution scolaire, qui est extrêmement prégnante dans notre société. Hein. Sur la réussite qu'on a à l'école, et bien on a telle ou telle place sociale, et nous sommes dans une société dans laquelle il y a quelque chose comme une lutte des places qui s'est installée. Je pense qu'Annabelle reviendra dessus à ce propos. Alors, donc, ça mobilise d'autant plus les jeunes. C'est d'autant plus nécessaire, je pense, de valoriser une fois de plus le mérite, modulo, bien sûr, toutes les dénonciations qu'il peut y avoir de la méritocratie, parce que nous assistons de plus en plus à un discrédit de la chose scolaire. La chose scolaire, c'est quand même 8 heures de la journée d'un jeune en France. C'est quand même beaucoup d'investissement aussi. Et si jamais, donc, de plus en plus de jeunes, et je pense que c'est le cas, ne croyaient plus en la chose scolaire, en l'institution scolaire, je pense qu'on accentuerait, une fois de plus, les fractures, donc les fractures sociales. Nous sommes dans une époque, dès 1997, donc Daniel Cohen le rappelait dans Richesse du monde, pauvreté des nations, le grand problème du 21e siècle, ce ne sera pas les inégalités, ce sera l'accroissement des inégalités. Ce qui fait que sur le terrain, ce que je constate en tant que prof de prépa, c'est un, la confiscation des profils de compétences, et en revanche, le délaissement, pour ne pas dire plus, le sentiment d'abandon que peuvent avoir en revanche les plus pauvres, les plus invisibilisés, par rapport au système scolaire. Ce qui fait qu'on ne va plus, on ne va plus à l'école, même quand on y va, on s'investit beaucoup moins, et en revanche, si vous voulez, en revanche, ceux qui ont la possibilité d'avoir le capital symbolique qui permet de donner du crédit à la chose scolaire, ceux-là, en revanche, sont davantage armés. Alors, donc, c'est ce que je constate sur le terrain, si vous voulez. Voilà. Annabelle Allouche souhaitait réagir. Oui, alors je suis aussi sur le terrain d'une certaine façon, puisque je suis un professeur à l'université, en Picardie, à l'université de Picardie Jules Verne. Et ce que je constate aussi, c'est que le système scolaire, évidemment, j'y crois, puisque j'y participe au premier chef, évidemment, comme monsieur, mais le problème, c'est véritablement la manière dont ce système scolaire reproduit des pratiques hiérarchiques. Le mérite, c'est une valeur hiérarchique, on fait la différence entre un individu et un autre. Donc c'est une morale politique très individualisante et très hiérarchisante, et que mes étudiants, par exemple, ont complètement intégré pendant toute leur scolarité. On leur a appris qu'il y avait des hiérarchies, des classements, qu'il fallait être en compétition les uns avec les autres. Donc classe par classe et individu par individu, pour avoir accès justement à ces capitaux sociaux, à ces capitaux symboliques de réussite. Et le problème, effectivement, c'est le mérite, mais c'est aussi la manière dont on réduit la définition du mérite comme si c'était exclusivement une chose scolaire. Et quand on regarde l'espace public et notamment les revendications des Gilets jaunes, les Gilets jaunes sont un mouvement donc hétéroclite évidemment, mais ils n'ont pas de revendications scolaires au sens propre du terme. Ils ne demandent pas, par exemple, plus de place à l'université, ni plus de place dans les grandes écoles, par exemple. On pourrait dire, ben voilà, nous on voudrait plus de place à Sciences Po, dans les instituts d'études politiques par ailleurs, ou les écoles de commerce, parce que ce sont des diplômes extrêmement valorisés sur le marché du travail, etc. Ils n'ont pas cette demande-là. Ils ont une demande sur véritablement la reconnaissance de leur dignité de travailleur, et donc de leur mérite, mais qui passerait par l'augmentation des salaires. Et ça, le problème, et notamment le problème des partis politiques, je pense, c'est la non-reconnaissance ou le caractère réduit de la reconnaissance du mérite comme si c'était exclusivement une question scolaire. Et ça m'interroge en tant qu'enseignante et aussi en tant qu'universitaire, et aussi en tant que sociologue, évidemment. Alors, Daniel Trongois, j'imagine que vous partagez peut-être une partie de ce constat et que vous œuvrez finalement à faire dépasser le champ, le périmètre du mérite au-delà, justement, de la question purement du résultat scolaire. Oui, totalement. Vous avez bien sûr raison. Je ne fais pas partie de ces collègues, de ces profs de prépa qui estiment qu'il ne faut pas écouter les sciences humaines et sociales. Bien au contraire. Je ne voudrais pas rebondir sur la polémique, bien sûr, bassement politique qu'il y a eu quelques années, sur la puissance libératoire des sciences humaines et sociales. C'est justement adossé à ces résultats que, sur le terrain, nombre de collègues, on essaie justement de faire en sorte qu'il y ait ce partage, osons le mot, voire cette solidarité entre les différents moments d'un parcours de reconnaissance sociale qui permet effectivement à la jeunesse, une fois de plus, d'avoir le sentiment d'appartenir effectivement à une seule et même nation, d'avoir le sentiment aussi de contribuer
à sa façon, au bien public, au bien commun. Alors c'est extrêmement important. Alors ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'il y a beaucoup d'études, hein, depuis ne serait-ce que les travaux de Bourdieu, qui datent quand même, il faut le dire, et puis donc dernièrement vos travaux, chère Annabelle Allouche. Qu'est-ce qu'on essaie de faire sur le terrain? C'est ça qui est intéressant. Je pense que de plus en plus de citoyens français ont conscience maintenant de la transition écologique nécessaire. En 1992, c'était pas le cas au sommet de Rio, je peux vous le dire. Et puis par ailleurs aussi, donc sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des quartiers, mais il y a aussi une ruralité qui est en difficulté. Donc les quartiers n'ont pas le monopole de la misère symbolique, bien au contraire. Donc dans la ruralité, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, concrètement, déjà, il y a un point extrêmement intéressant, c'est de dire qu'il y a une confiscation de l'information. Et donc le moment extrêmement pragmatique de l'orientation, extrêmement décisif, l'orientation, il faudrait du même coup, non pas simplement travailler l'accès à l'information, mais aussi le traitement de l'information. Parce que de nos jours, où on a, grâce à un smartphone, on peut avoir accès à ce que c'est qu'HEC, ce que c'est que Normal Sup, ce que c'est que l'X, qui n'est pas donc le nom d'un secteur donc économique parallèle. Bien au contraire, l'X est le croisement effectivement de deux épées qui montre beaucoup effectivement l'historicité des grandes écoles. Pouvoir en quelque sorte remettre en perspective le sens de ce que c'est que justement ces filières sélectives de l'excellence méritocratique, si je puis dire. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Et c'est ce que nous faisons dans les procédures d'orientation, dans un premier temps, et qui s'appelle les cordées de la réussite. Hein? Voilà. Donc, il faut savoir qu'on essaie effectivement de partager, de mettre en quelque sorte en communauté un traitement de l'information. Alors, si vous me permettez, je termine juste. Donc, sur une cordée de la réussite dédiée à la ruralité, je suis professeur sur Bordeaux, vous savez que la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région agricole française, ou peut-être même la première, selon notre président du conseil régional. Donc, nous avons effectivement le souci d'apporter dans les lycées de la ruralité. Nous sommes adossés donc aux résultats de l'INSEE 2018, dans cette cordée dite clé sup MOLA. Clé du supérieur MOLA, c'est la première librairie indépendante de France. Nous avons eu le souci, en quelque sorte, de travailler avec les jeunes des poches de pauvreté. C'est le terme administratif. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons encordé, du même coup, sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, 235 jeunes, collèges, lycées, classes préparatoires, où nous diffusons, en quelque sorte, cette information, et où nous faisons en sorte que l'information soit traitée de façon convenable. Voilà. C'est pas rien. Donc, une cordée de la réussite, c'est d'abord un geste... Alors, peut-être pas simplement d'encordement, si vous voulez bien, mais surtout un geste de solidarité républicaine. C'est quand même très important de le redire. Donc, contrairement à l'image qui voudrait que, bien sûr, les classes préparatoires soient fermées sur elles-mêmes, que, bien sûr, nous ne soyons que les instruments de la reproduction sociale, vous imaginez un prof à qui, on vient de dire, tous les cours que vous faites ne servent qu'à reproduire les inégalités et à naturaliser les hiérarchies. Aucun prof n'accepterait de le dire. Annabelle voilà. Allouche, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Et au-delà, on vient de parler de mérite, d'excellence, de filière sélective. Qu'est-ce qu'on fait des autres, de ceux qui ne réussiraient pas ou qui ne seraient pas justement... qui ne pourraient pas entrer dans ces filières? Alors, peut-être une réaction sur les cordées de la réussite, puisque moi, dans le cadre de mes enquêtes, j'ai travaillé sur l'ouverture sociale dans les grandes écoles, et en particulier sur le modèle de l'ESSEC, qui est une grande école de commerce, qui est située à Cergy-Pontoise, et qui est en fait le modèle des cordées de la réussite, avec le dispositif Une grande école, pourquoi pas moi, qui a été en quelque sorte la première cordée, avec des lycées du Val-d'Oise en particulier. Alors évidemment, moi j'ai rencontré tout un tas d'enseignants du secondaire, du supérieur, qui étaient des militants, et c'est tout à l'honneur de toutes ces personnes qui croient véritablement dans les cordées, et c'est tout à fait important. Mais je pense qu'effectivement le problème, c'est que les cordées sont porteuses de... Mais je pense que monsieur en a tout à fait conscience, d'une lecture parfois individualisant, c'est-à-dire qu'on va chercher les quelques élèves qui peuvent correspondre potentiellement à une entrée dans les grandes écoles, ou pas que HEC et pas que d'ailleurs l'X ou les ENS, hein, d'autres types de grandes écoles ailleurs. Et on les amène vers ces grandes écoles. Mais quid, par exemple, de l'université ou quid des BTS? Alors maintenant, effectivement, il y a des cordées de la réussite avec des BTS ou avec des universités avec des licences. Mais dans quelle mesure, en fait, on apporte les moyens financiers et humains nécessaires pour que cette réussite-là, elle touche le plus de monde possible? Et on le voit bien avec les réformes de l'université, où le nombre d'enseignants-chercheurs recrutés chaque année ne fait que baisser, alors que nous sommes en période de pic démographique, d'explosion
de démographique est la seule solution qui a été mise en œuvre, en tout cas par ce gouvernement-là, mais en fait, c'est la suite des gouvernements précédents, hein, de gauche ou de droite, c'est véritablement la sélection comme une solution qui, en fait, n'en est pas une, puisque on rompt avec cette idée de solidarité républicaine, d'accès au diplôme pour tous, en sélectionnant, et même en sélectionnant, non pas d'un point de vue méritocratique, mais sur la base de la rationalité gestionnaire. L'idée de Parcoursup, et qu'on va maintenant mettre en œuvre pour le master, c'est mettre l'élève dans une case, la case dont il pense qu'il va correspondre en fait à une licence ou avec un BTS. En fait, moi, ce qui m'interroge, c'est véritablement, par ailleurs, à côté des cordées de la réussite ou à côté de dispositifs comme les conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po Paris, qui n'existent plus sous cette forme depuis cette année, mais qui ont quand même prouvé aussi leur efficacité pour ces individus-là, il y a des logiques de marchandisation et de réforme qui font que les taux se resserrent, et notamment autour des élèves issus de milieux populaires, issus des ruralités, issus aussi des outre-mer, parlons-en, et ça c'est vraiment... une question absolument importante et centrale, parce que se posent les questions aussi liées à des formes postcoloniales de reproduction sociale, en fait, autour des Outre-mer. Donc, je pense qu'il faut remettre les cordées de la réussite et ces dispositifs-là dans un ensemble plus vaste et réfléchir aux moyens financiers et humains disponibles pour tous, à l'université, bien sûr, et j'en suis témoin, mais aussi dans toutes les filières, et pas seulement les filières courtes pour certains types d'étudiants, par exemple des élèves issus de filières techniques ou professionnelles. Pourquoi on n'aurait pas la possibilité de rentrer à l'université plutôt que en BTS quand on a fait un bac pro? Pourquoi pas? Alors Daniel Trunglois, justement, comment on peut répondre aux propos qu'on vient d'entendre par Annabelle Allouche pour essayer de tenter de sortir de ces dérives de ce système, ou du moins de ses limites, ou parfois même de ses effets pervers? Oui, ce qu'on peut appeler les perdants, justement, de la méritocratie, je comprends. Alors, il y a effectivement des dispositifs qui existent, hein, juste pour vous dire qu'on peut s'engager vers cela. On peut, depuis l'université, par exemple, intégrer une grande école, la passerellisation existe. Il y a quand même un statut nouveau qui s'est mis en place, qui n'est plus celui que d'élèves normaliens ou élèves polytechniciens. Il y a des étudiants normaliens, et il faut savoir qu'au niveau Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 5, l'écart qu'il y a en termes de compétences, vous diriez peut-être performance, justement, sanctionné dans un terme qu'Annabelle Allouche apprécie tout particulièrement, si j'ai lu donc son dernier ouvrage, le concours. Donc, au niveau des concours, on peut effectivement, du même coup, pour ceux qui paraissaient dans un premier temps donc les perdants de la méritocratie, ils peuvent, de fait, du même coup, bénéficier du réseau, par exemple, dont disposent les dites grandes écoles. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des actions qui se font. Par ailleurs, ce que l'on peut constater, c'est que la concentration, en fait, voire la monopolisation du capital symbolique nécessaire à faire qu'on réussisse l'école normale ou l'école polytechnique ou HEC ou qu'on ne réussisse pas, quelle différence il y a entre, demandait Bourdieu, entre le dernier admis et le premier non admis? Il n'y en a quasiment pas, il faut le dire. Eh bien, du même coup, si vous voulez, on peut peut-être dire que ce différentiel-là, qui est donc extrêmement décisif, on peut l'avoir dans toute une culture latérale. En fait, c'est ce qu'on voit de façon extrêmement importante, si vous voulez, quand on ne dispose pas dans les familles qui sont prescriptrices d'orientation, qui sont en fait facteurs d'inégalité avec des stratégies extrêmement intéressantes, on pourra peut-être revenir dessus après, eh bien quand les familles ne disposent pas du capital pour décrypter l'information. Hein. Alors, l'idée elle est laquelle ? Il faudrait peut-être du même coup, du point de vue de cette culture latérale qui est décisive, qui est intégrée maintenant, si vous voulez, dans tout ce qu'on appelle donc sélection, c'est tout ce qu'on appelle les soft skills. Mmh. Alors, on se garde bien sûr de les commenter, de les traduire. Alors, donc les soft skills, c'est quoi? C'est finalement tout ce que vous faites en dehors de l'école qui permettent au moment de la sélection, en fait, de s'en sortir. Mmh. Voilà. Et ça, je pense qu'il y aurait des lieux, des moments, si vous voulez, où sur le mode d'un festival, on pourrait du même coup diffuser ces soft skills, cette culture latérale qui fait qu'on peut s'en sortir. Alors exemple, il se trouve que sur le village de Saint-Émilion, patrimoine mondial UNESCO, il y a un festival de philosophie qui se fait, parce que la philosophie, c'est une discipline extrêmement socialement biaisée, où vous pouvez faire venir des philosophes professionnels, mais pas seulement, où on pourrait diffuser cette culture latérale, si vous voulez, pas réservée simplement aux 4 et 6 000 festivaliers que nous avons réussi à fidéliser, c'est surtout à cette occasion-là où on pourrait diffuser
Donc, eh bien, mettre en partage, mettre en communauté cette culture latérale-là, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est des exemples, bref, si vous voulez, des lieux de réunion, des lieux de discussion où on pourrait effectivement partager cette culture latérale-là. Voilà. Annabelle Allou, je vois que vous avez pris des notes. Oui, absolument. Alors, sur la question des soft skills, c'est très intéressant parce que ce que j'ai vu, moi, dans mes études, j'ai fait donc des comparaisons, par ailleurs, avec la Grande-Bretagne, les filières dites d'excellence en Grande-Bretagne, notamment l'Université d'Oxford, et aussi aux États-Unis, c'est que, en fait, ce sont des soft skills qui partent d'une bonne intention, bien sûr, hein, d'une bonne volonté, mais il y a toujours des biais qu'il est nécessaire de prendre en compte, en fait, pour ne pas reproduire d'autres types d'inégalités. Et dans le cas des soft skills, ce que j'ai vu à la fois à Oxford et dans des écoles comme Sciences Po, l'ESSEC, etc., c'est que le rapport aux soft skills, par exemple au leadership, on va demander dans le cadre d'une audition à des élèves de faire preuve de leadership. Ben, le leadership, en fait, c'est une valeur qui est associée au masculin. Donc, de facto, une fille aura plus de mal à se définir en fonction de ce soft skill du leadership. Donc attention aussi, en tant que sociologue, hein, je ne fais pas du tout la leçon, je se constate à partir de mes enquêtes, mais encore une fois, je tiens à dire à quel point les enquêtés, les personnes que je rencontre font preuve de bonne volonté et vraiment ont un intérêt très très important pour ces questions d'égalité des chances qui sont des questions d'intérêt général. Attention à ne pas reproduire d'autres types d'inégalités de genre, par exemple. Sur la question des cordées de la réussite et, par exemple, du dispositif des convention d'éducation prioritaire de Sciences Po, le problème, c'est qu'il y a un effet aussi dans les médias de segmentation et de reproduction de cette lecture de l'enseignement supérieur avec d'un côté les grandes écoles qui sont extrêmement valorisées, dont on parle encore plus que maintenant ils prennent en compte la question de la diversité comme si c'était une solution à tout le monde pour tout le monde, et de l'autre côté l'université. Et ça, c'est, je me rappelle, c'était extrêmement clair au début des dispositifs d'ouverture sociale vers 2000-2005, et notamment après les émeutes de banlieue, où, rappelez-vous, après les émeutes urbaines en France, on avait invité à l'époque Richard Descoings, qui était directeur de Sciences Po, et Pierre Tabi, qui était directeur de l'ESSEC, en leur demandant « Trouvons une solution ensemble », comme si les dispositifs d'ouverture sociale allaient pouvoir donner une solution pour tout le monde, en fait. Alors, effectivement, à partir de là, et notamment à partir du modèle de l'ESSEC, il y a des choses qui ont été beaucoup plus élargies, donc dont les cordées de la réussite sont un bon exemple, mais en fait on reproduit une fragmentation entre d'un côté la focale médiatique qui est fondée sur les grandes écoles et de l'autre côté l'université. Et j'ai fait une enquête à partir des archives de l'INA, donc de l'Institut National de l'Audiovisuel, sur les archives de la télé, et ça c'est extrêmement frappant. D'un côté les grandes écoles c'est élite, excellence, science, fabrique de la science, prix Nobel, etc. Et de l'autre l'université est toujours associée en fait à des mots-clés comme crise, manifestation, pauvreté, massification, etc., etc. Et ça ne fait, en fait, dans l'esprit des familles, mais aussi dans l'esprit des élèves, que reproduire la dévalorisation de l'université et du coup donner du grain à moudre à ceux qui voudraient tuer cette institution, qui est en fait l'institution qui assure la massification scolaire, la massification donc universitaire depuis les années 60, c'est pas les grandes écoles. Mais les grandes écoles, je suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les grandes écoles, mais revaloriser l'université, c'est aussi une façon de répondre à ces questions de solidarité républicaine. Alors Daniel Trunglois, vous avez 15 secondes pour le mot de la fin. Oui, il va falloir beaucoup de mérite pour y arriver. Oui, alors je voulais dire du même coup qu'adossé aux travaux, par exemple, d'Annabelle Allouche, nous sommes conscients des biais et que, par exemple, Sciences Po Bordeaux, hein, dont on parle si peu, a déjà donc toute une mesure de mise en avant quand même de cette notion de mérite, et on a du même coup travaillé les notions de jury. C'est peut-être au niveau du jury qu'on peut travailler, conscient que nous sommes de trois biais, chère Annabelle, donc je sais que votre ami Vincent Tibéri sera aussi sensible, puisque c'est lui qui a porté ce dispositif, un sociologue, donc des biais de genre, dont il a été question, des biais aussi sociaux, ça c'est indiscutable, et enfin les biais territoriaux. Donc pour vous dire que au pessimisme de l'intelligence sociologique, on pourrait peut-être effectivement donc succéder, faire suivre en quelque sorte l'optimisme de l'action, et notamment l'optimisme de l'action citoyenne. Voilà. Et à l'université aussi, et la sociologie n'est pas que pessimiste, mais met le doigt sur des questions qui me semblent importantes. Et je salue Vincent Tibéri, que j'aime beaucoup. Et notre public a été très optimiste, et il va le manifester avec une salle d'applaudissements. Merci beaucoup.
Voilà, cette séquence se termine. Merci beaucoup, Quentin, pour merci à vous, ces cinq petits binômes et duos de mots à la Galerie de Seine. La séquence se termine ici, mais bien sûr, le festival continue jusqu'à 23h ce soir dans de multiples espaces, espaces scène, studio 104 et autres lieux à multiples endroits de la Maison de la Radio. Donc n'hésitez pas à consulter le programme et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci beaucoup.